from Gothenburg, Nathalie Strong, Hugo from Abidjan. Welcome, bienvenue à tout le monde. Bonsoir à mon ami Bernard Lukatangé. Vous êtes en direct, les amis. Nous sommes là pour un peu plus de 3 heures. Hein. Nous allons parler du président Laurent Gbagbo. Alors prenez place et installez-vous. Merci les amis de nous rejoindre. Nous allons longuement parler, comme vous vous en doutez, de la situation du président Laurent Gbagbo. Alors partagez autant que vous pouvez. Nous lançons dans quelques instants. Bonsoir Franck Fosso, bienvenue. Bonsoir Prunel. Nous attendons, nous sommes 70, 71. Dès que nous atteignons le chiffre de 100, nous lançons. Bonsoir mon ami Mireille Belle, bienvenue. Prenez place, nous allons parler. Je m'adresse à mes amis ivoiriens et bien sûr camerounais et africains, parce que vous savez que Laurent Gbagbo, c'est un panafricain qui a dépassé le cadre de la seule Côte d'Ivoire. Alors je salue tout le monde. Nous avons de très très bonnes nouvelles. Vous vous en doutez, les chers amis, nos amis. Après... Je vais répondre à Fosso, c'est Uj Masekela. Voilà. Donc, après tant d'années d'efforts de votre mobilisation, la situation est en train de se débloquer autour du président Laurent Gbagbo. Nous en parlons. Bienvenue à mon ami à Mon Camp Broadcast, le technicien qui me donne un coup de main tout le temps. Bienvenue à mon ami Souchement Norbert Kamgele qui est là, le créateur du concept de la proximité sociologique. Il sait de quoi je parle. Bonsoir Norbert, bienvenue à toi. Bonsoir Nadine Chou, bienvenue. Alors si vous venez simplement de nous rejoindre, sachez que nous faisons... une émission, enfin nous faisons un programme où nous allons reparler du professeur, le lapsus est révélateur. C'est vrai que Laurent Gbagbo est aussi professeur, donc nous allons plutôt parler du président Laurent Gbagbo, de l'avenir politique, s'il en a un, du rôle qu'il va jouer en Côte d'Ivoire, pourra-t-il repartir, etc. etc. Donc les amis, installez-vous, partagez autant que vous pouvez. Mais bon, c'est pas important. Si vous êtes sain, nous allons faire le programme avec 5 personnes. A tout de suite. Bonsoir à mon ami Paul Siemafor, bienvenue. Bonsoir le combattant Ulrich Diokwe, bienvenue. Alors les amis, on devait faire un direct sur le Cameroun, la situation politique au Cameroun. Mais actualité oblige, nous sommes obligés de parler de la situation en Côte d'Ivoire et notamment de l'allègement des restrictions imposées au président Gbagbo. Et je vous promets, on va refaire un live spécifique sur le Cameroun qui va durer 3-4 heures. Nous avons des nouvelles pour vous d'ailleurs. Donc, restez en place. Nous sommes 64. Bienvenue à mon fils Thierry Yano-Georges Pompidou qui nous regarde depuis Exeta. Je salue ma Congo Sa, bienvenue. À Babaka, mon frère Ahmed, bienvenue, bonsoir.
Nous sommes 73, hein. Dès que nous atteignons le chiffre de 100, nous lançons les amis. Hein. Ben voilà, Caroline Sophia, bonsoir, bienvenue. Joël Fauchet, bienvenue. Joël Fauchet le Bambiki, bienvenue. Nathalie Stron, on est 72, c'est vrai. Salut à Juliette Mbala de Tanguem. Philippe, mon ami Philippe Poedi, te revoilà, ça fait longtemps, bonsoir et bienvenue, très content de te voir. Nous sommes 75, hein. Dès que nous atteignons le chiffre de 100, nous partons. Alors je m'adresse aussi aux compatriotes anglophones qui nous regardent. Welcome to the Cameroonian anglophone, or Ambazonian, it doesn't matter, Southern Cameroon, they are all Cameroonian. We want to see you people, we are waiting, we are 83, as soon as we reach 100, we hit up. So make sure you hit the share button. Hit the share button. Pour le moment, je vous laisse en compagnie de Papa Wemba, Galilée, Papa Wemba et Koumani. Et bien sûr, je salue les amis sapeurs du côté de la Belgique là-bas. Les amis de Fulengingi, Chancelo Kopamba. Ousseni Moussa, papa. Et Doukou Kouakou, welcome. Just ask me why I went for 100 people. That's the minimum. If you're interested, I want to see 100 people before we start. Hit the share button. Welcome to Florence Cucciu from the United States. She's watching. Welcome. Hi. Charlie Bleboudé. Salut Maître Poedi. Si vous voulez qu'on vous parle du président Laurent Gbagbo ce soir, je veux voir des cœurs. Je m'adresse aux patriotes bien sûr. Si vous aimez le président Laurent Gbagbo, je vais voir des cœurs. Si vous voulez que le président Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire, dans la prérogative de ses fonctions, je vais voir des cœurs. Vous savez que devant c'est maïs.
Je viens d'avoir l'ami semble africain depuis Abidjan. Il me dit qu'Abidjan s'est gâté, comme on dit là-bas à Babi. Le président Babo est en train de regarder et je veux voir. Je salue Guédé Eric Blay, bienvenue. Je veux voir les supporters du président Babo. Alors si vous êtes un supporter de la scène, vous êtes au mauvais endroit. Voilà, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Et ça, je vous le dis. Voilà, je veux voir les supporters du président Babo. Alors je m'adresse à ceux qui me demandent pourquoi attendre 100. Ceux qui sont fatigués peuvent prendre leur bagage et aller dormir. Les vrais patriotes vont rester. On est là jusqu'à 5h du matin les amis. On va libérer en Zouglou. S'il n'y a pas 100 personnes, pas de direct. Désolé. Use groups to share information. Be a part. Oui, les amis, nous allons commencer. Je salue mon ami Zé le Bangossien que je n'ai pas vu depuis un an. Je ne sais pas où il était passé. Camarade Zé le Bangossien, très bienvenue. Il y a de très bonnes nouvelles. Je salue mon ami Ico Ferré qui nous regarde depuis la Suède. Il y a Nathalie Stron qui me suit depuis très longtemps, qui est une très très grande patriote, pas seulement camerounaise, mais africaine. Je salue beaucoup et je dis bonjour encore à Zé le Bangossien. Camarade, je vous avais dit qu'il y aurait des bonnes nouvelles. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par venir. Bonsoir à ma soeur Mirabel Chana qui regarde, une des fidèles qui nous suit depuis des années. Il y a Toussaint Goré que je salue, que je n'ai pas vu depuis 2012. Il était à mon mariage. Je le salue et je transmets des salutations pour son épouse. Voilà, bienvenue à vous, mes chers amis. Nous attendons 4 personnes. J'avais demandé qu'on soit 100 pour commencer. Nous sommes 98, donc il nous reste 2 personnes pour démarrer. Voilà. Et en attendant, un peu de musique. Together with Workplace.
Bonsoir à mon petit Mathias Balak. Bienvenue à toi, combattant. Monsieur le président, je ne suis pas salarié, j'ai pas payé mon loyer, tu veux noyer mon foyer. Je vis dans un combo, tu vois la pauvreté non pour toi, tu envoies une de terre en combo, yeah, gabo kafisa boye. Yeah, kafisa. Amis, nous tenons parole. J'avais demandé que nous soyons 100. Nous sommes 109. Alors, on peut commencer. Nous sommes 115. Alors, mes chers amis, chers combattants, chers patriotes, parce que certains d'entre vous, on se connaît depuis pratiquement 10 ans. Vous avez été de tous les combats. J'ai rencontré certains d'entre vous à La Haye, en Hollande, où nous sommes allés manifester, protester contre l'embastillement illégal du président Laurent Gbagbo. Le président élu par son peuple, reconnu par le Conseil constitutionnel ivoirien, la plus grande instance juridique du pays, mais qui a été embastillé comme on le faisait naguère de nos chefs, que ce soit Samori Touré, la mamie Samori Touré que les Français avaient déporté, que ce soit le roi Mohamed V du Maroc qu'on avait déporté, que ce soit le sultan des Bamoun. Ibrahim Ndjoya a été destitué en 1924 et exilé à Yaoundé en 1931 et il est mort deux ans plus tard en 1933. Ou que ce soit beaucoup d'autres chefs africains, de Kunta Kinte, Laurent Gbagbo a suivi. Mais ce qui a choqué dans le cas de Laurent Gbagbo, lorsque les Africains l'ont vu comme ça, presque nu, en gilet, ça nous a rappelé d'autres images. Je dois vous dire, mes chers amis, en dehors du jour où j'ai perdu mon père, ce fut la nuit la plus terrible de ma vie. Je n'ai pas mangé pendant deux semaines. Voir comme ça Laurent Gbagbo humilié dans son propre pays. Nous qui sommes nés après les indépendances, on n'avait pas pensé qu'on allait revoir ça. Ces images nous ont brutalement rappelé un autre héros. C'était Patrice Lumumba. Premier ministre d'un pays nouvellement indépendant. Ligoté comme un fagot de bois dans un camion, et on lui tendait son discours, le discours qu'il avait écrit à manger. Et cette histoire, cette image avait heurté tous les panafricanistes, tous les Africains. Rappelez-vous les images de Simone Gbagbo, traînée par terre comme une vulgaire, une fille de bas quartier. Ces images avaient heurté les Africains.
La France s'était trompée parce qu'on pensait que ce qu'ils avaient fait au père, à nos pères d'indépendance, les Ruben Umyobe, Ron Félix Moumier, Ernest Wendy et bien d'autres, ils pensaient qu'ils pouvaient refaire ça, mais ils avaient oublié que nous étions à l'heure d'Internet. Ils avaient oublié que les Africains de 1940, de 1950 n'étaient pas exactement les Africains de 2011, qui nous allions souvent dans les mêmes écoles avec leurs enfants. Et à l'heure d'Internet, on ne peut pas museler quelqu'un pour la liberté. Et comme dirait un ami congolais, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par apparaître. Laurent Gbagbo a été acquitté avec Charles Blé Goudé. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Tout le monde qui a quelques méandres de droit sait que, en droit strict, quand on dit on a acquitté quelqu'un, ça veut dire qu'il est innocent de toutes les charges, de toutes les accusations qui pèsent contre lui. Dès lors, il n'a pas de compte à rendre. Mais Laurent Gbagbo a battu tous les records. Il est le seul président à avoir été déporté à La Haye, alors que la Côte d'Ivoire n'avait pas d'accord avec la CPI. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, comme je l'explique souvent, avait signé le traité de la CPI, c'est-à-dire le traité de Rome, en 1998, c'est-à-dire l'acte juridique donnant le sens à la Cour pénale internationale, mais ne l'avait pas ratifié. Mais Alassane Ouattara, un renégat qui a vendu le peuple qu'il a engendré, a rencontré dans un hôtel de passe parisien le juge Moreno, un raciste argentin, parce que je profite pour vous dire que l'Argentine est un pays des plus racistes de la Terre. D'ailleurs, c'est là-bas que s'est caché tous les nazis qui ont gazé plus de 6 millions de juifs. Après la Deuxième Guerre mondiale, tous les soldats SS trouvaient refuge en Argentine, un pays des plus racistes. Donc c'est un juge, un ancien juge Moreno qui allait à la CPI, qui est allé prendre l'argent entre les mains d'Alassane Ouattara pour envoyer Laurent Gbagbo à la CPI, alors qu'il avait gagné les élections. Alassane Ouattara, qui n'aurait jamais dû être admis à concourir au deuxième tour, puisque lors du premier tour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2010, entre 1h du matin et 5h, Alassane Ouattara était troisième. Bédier le devançait de 600 000 voix. Mais à 6h du matin, par miracle, on a assisté à une inversion de voix, c'est-à-dire que les 600 000 voix dont Bédier bénéficiait et qui lui donnait de l'avance sur Alassane Ouattara, se sont reportés sur Alassane Ouattara. C'est-à-dire que de deuxième, Bédier se retrouvait troisième, donc éliminé. Comme par magie. Bédier a donc demandé qu'on fasse contestation. Il avait 3 jours pour le faire. Il a confié le dossier à Ousso. Les amis, je vous préviens tout de suite, c'est un récit, c'est une conversation. Donc je ne vais pas suivre un ordre chronologique précis. Nous faisons une conversation. Et en tant que supporter de Laurent Gbagbo, vous comprendrez que mon récit soit entaché de beaucoup d'émotions. Donc vous me pardonnerez si je ne respecte pas un ordre chronologique de narration. Voilà, donc nous, c'est ce qu'on appelle en dissertation une conversation à bâton rompu. Alors, je disais donc que quand il y a eu l'élection, d'abord, Alassane Ouattara n'aurait jamais dû être président, candidat à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Parce qu'en 1984, si vous regardez ceux qui sont camerounais, j'ai des copies, vous me contactez en inbox, je vais les vous donner. En 1984, Cameroun Tribune, qui est l'organe officiel d'information au Cameroun, à mes amis ivoiriens, je vous dis que Cameroun Tribune est l'équivalent de Fraternité Matin en Côte d'Ivoire. En 1984, Cameroun Tribune, fier qu'un Africain ait accédé au titre de directeur Afrique du Fonds Monétaire International, publie un article sur Alassane Ouattara, disant voilà, il y a un Burkinabé, parce que le Burkina Faso s'appelait d'abord la Haute Volta, et ce n'est qu'à la faveur du coup d'état de Thomas Sankara et de Blaise Compaoré que ce pays est devenu le Burkina Faso. Donc en 1984, le journal camerounais, Cameroun Tribune, publie un article où il se félicite qu'un Africain, en l'occurrence un Burkinabé, en la personne d'Alassane Ouattara, soit nommé directeur du département Afrique au Fonds Monétaire International. En 1975, si vous regardez les archives de la Côte d'Ivoire, la chancellerie ivoirienne, vous pouvez vérifier ces archives. En 1975, on signale que le président Oufoué Boigny, Félix Oufoué Boigny,
a décoré Alassane Ouattara citoyen voltaïque. Citoyen voltaïque, au fond, bon, il a décoré. Si vous allez dans les archives de la chancellerie ivoirienne de l'Ordre du Mérite, c'est marqué. Alors, d'où vient-il que, brutalement, Alassane Ouattara devienne ivoirien? Lorsqu'il fait son entrée en Côte d'Ivoire entre 1989 et 1990, il n'y a pas 50 Ivoiriens qui connaissent Alassane Ouattara. Personne n'a jamais entendu parler de lui, en Côte d'Ivoire en tout cas. Il dit qu'il a fait des études en Côte d'Ivoire, mais selon ses propres récits, il a beaucoup de liens avec le Burkina Faso. Mais quand il dit qu'il a étudié en Côte d'Ivoire, mais on ne sait pas avec qui. Il n'a pas de maître. Le président Gbagbo, il a plein de camarades. On sait que le président Gbagbo est allé à l'école avec le papa de Didier Drogba, le footballeur par exemple. Il a beaucoup d'autres camarades de classe comme ça. Certains sont devenus des pêcheurs, certains sont devenus des hommes d'affaires. Mais personne en Côte d'Ivoire ne sait avec qui Alassane Ouattara est allé à l'école, dans quelle école, et qui a été son instituteur. Mais la vérité, c'est que Alassane Ouattara n'a jamais été dans, il n'a jamais mis pied dans une école en Côte d'Ivoire. Et pour cause, s'il est certes vrai qu'il est né en Côte d'Ivoire, à Dimbeko. Dimbeko, c'est 230 km au nord d'Abidjan. Mais il a quitté la Côte d'Ivoire quand il avait entre 4 et 6 ans. Et à cette époque, je salue l'ami Raphaël qui nous rejoint. Bienvenue, bonsoir à la combattante et la camarade de combat Esther Bowie. Bienvenue Esther. Alors, on se voit à Paris bientôt pour fêter tout ça. Alors, la vérité simple est que, contrairement à ce que les gens ont l'habitude de dire, Alassane Ouattara est né en Côte d'Ivoire. Il est né en Côte d'Ivoire, mais il en est parti quand il avait 4 ou 6 ans. Et vous savez très bien qu'à l'époque, quand on avait cet âge, on n'allait pas à l'école en Afrique. Le père d'Alassane Ouattara, qui était immigré en Côte d'Ivoire, était un transporteur. Il avait les cartes de transport. Et c'est là où les Ivoiriens qui me suivent, je vous demande de prêter attention. Parce que vous avez l'habitude de vous offusquer. Je parle des supporters de Ouattara qui suivent comme des moutons. Vous avez l'habitude de vous offusquer de ce que les Camerounais se mêlent de vos histoires politiques. Mais vous ignorez quelque chose. C'est que depuis la création de la Côte d'Ivoire, le peuple camerounais a été associé à l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Lorsque Oufoué Boigny a créé le RDA, Rassemblement démocratique africain, PDCI pour son parti, on a eu des branches en Guinée, PDG RDA de Sékou Touré, PDG au Gabon, Parti démocratique, machin. Et au Cameroun, on a créé l'UPC. L'UPC était une filiale du RDA de Félix Houphouët-Boigny. Le premier congrès du RDA a eu lieu en 1946 à Bamako. Le deuxième a eu lieu à Abidjan. Le président était ivoirien et le vice-président était camerounais. Il s'appelait Ruben Oumyobé, messieurs et dames. Vous devez le savoir, Houphouët-Boigny était un grand nationaliste avant de devenir traître. Il était un grand nationaliste et il a travaillé avec les gens de l'UPC au Cameroun. Il était recherché par toutes les polices françaises. C'est en 1950 qu'il a été retourné par François Mitterrand, jeune ministre, ce qu'on appelait ministre de l'Outre-mer, mais qui en français simple était le ministre des colonies. On avait massacré tous les compagnons de Félix Houphouët-Boigny. Il avait pris peur. Il est allé se cacher chez un commandant de cercle, un français. Je vous parlerai de ça la semaine prochaine. Alors pourquoi est-ce que Houphouët-Boigny parle de nationaliste, fervent nationaliste, à collaborateur, créateur putatif du vocable de la France-Afrique? Pourquoi? On avait massacré tous les saints. Les Ivoiriens qui m'écoutent, vous connaissez Biaka Boka. Il ne faut pas confondre avec l'autre Biaka Boka. Biaka Boka était sénateur, partisan de Félix Houphouët-Boigny. On a retrouvé son corps dans la forêt ivoirienne déchiqueté. Mais les Français ont dit qu'il avait été pendu, mais on l'avait tué. Houphouët-Boigny a pris peur. François Mitterrand l'a rencontré. Mais il faut rappeler que Houphouët-Boigny, comme les UPCistes du Cameroun, était affilié au Parti communiste français. Et parce qu'il y avait ce contexte, parce que nous sortons de la guerre, c'est la 4e République. La France a été battue par l'Allemagne, elle a été occupée pendant 5 ans. Et au sorti de la guerre, le Parti communiste français est le parti populaire qui a le plus grand nombre d'élus. Il est talonné de très près par quelque chose qui s'appelle le MRP,
le mouvement des républicains populaires qui supportait le général de Gaulle. Mais le problème, c'est que le chef du Parti communiste français a passé la guerre à Moscou, chez les communistes. Donc, les communistes français se disent que nous sommes d'abord communistes avant d'être français. Donc, les Français ont peur que les Africains peuvent donner un pied en Afrique aux communistes russes. Donc, c'est pour ça que toute personne qui avait des sympathies russes, communistes, on l'a combattu automatiquement. Lumumba a été assassiné pour ça, Oumyobé l'a été, les Moumiers, etc. Donc, dans le cas de Félix Houphouët-Boigny, on a peur parce que son parti, parce qu'il est à la tête d'un syndicat agricole. Il a fait de la médecine, il a été à William Ponty à Dakar, mais il est d'abord, il se revendique comme un planteur avant d'être autre chose. D'ailleurs, pour la petite histoire, lorsqu'il va devenir président, un jour il arrive au Bourget, à Paris, le Bourget c'est un aéroport pour ceux qui ne connaissent pas la France, il arrive au Bourget, il est accueilli par les journalistes, on lui dit, mais monsieur le président, allons tout de suite à la Sorbonne. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à la Sorbonne? On dit, non, nous allons vous remettre le doctorat honoris causa. Il leur a dit, mais allez voir Senghor. Moi, je suis un planteur, je cultive la terre. C'est Senghor qui cultive les lettres. Allez le voir. Donc, c'est pour vous dire, je salue mon ami Maurice qui est là, une vieille connaissance de Londres depuis les années 90. Salut à toi, bienvenue. Alors, c'est pour vous dire que les leaders nationalistes africains n'avaient pas de choix que de tomber entre les mains des communistes français parce que c'est les seuls qui manifestaient une espèce de compréhension à l'endroit de leur combat. Parce que les communistes, avant d'être français, sont des internationalistes. Donc, dans le cas de Félix Houphouët-Boigny, on va éliminer pas mal de ses partisans. À mes amis qui sont ivoiriens, demandez à vos parents. Il y a eu des situations à Toumoudi, à Kokoumbo, où des colons libanais, syriens, français, grecs ont tiré sur des populations. Donc François Mitterrand va rencontrer Houphouët-Boigny, qui est recherché par toutes les polices françaises, et va mettre un marché entre les mains de Salut Mouski le Sage, va mettre un marché entre les mains de Félix Houphouët-Boigny. Il va lui dire, ou tu acceptes de collaborer avec la France, ou alors la répression va se faire très dure. Donc Houphouët-Boigny accepte de mettre ce qu'il appelle une pause à son combat. Il demande à ses amis camerounais de l'UPC de mettre une pause. Mais Ruben Oumyobé refuse. On ne peut pas demander à un colon de vous donner la liberté. Donc c'est là où ils vont se séparer. Houphouët va collaborer à fond avec les Français et vous connaissez le résultat. Mais je le dis à l'adresse de nos amis ivoiriens qui ne comprennent pas l'intérêt que portent les Camerounais à la chose politique ivoirienne. Ça remonte à cette époque. Alors, comme je vous disais tantôt, lorsque le RDA est créé et que son congrès constitutif, le tout premier, a lieu à Bamako en 1946, le deuxième va avoir lieu à Abidjan. Mais je brûle un peu les étapes. Restons au congrès du RDA de 1946 à Bamako. Le père d'Alassane Ouattara est transporteur. Il a des cars de transport. Les colons, parce que les congressistes viennent de partout. Ils viennent de ce qu'on appelle l'Ubangi-Chari. Ils viennent du Tchad. Ils viennent de la République centrafricaine. Ils viennent du Congo. Les Congo-Brazzaville, etc. Ils viennent du Cameroun, un peu partout. Tout le monde va vers Bamako pour le congrès constitutif du RDA. Mais les colons ont interdit à tous les avions de porter des congressistes et à tous les chemins de fer. Donc, Houphouët-Boigny a demandé à tous les transporteurs ivoiriens et de la sous-région de mettre leur car à la disposition des congressistes, bénévolement. Tout le monde a accepté. Le seul qui a refusé, c'est le père d'Alassane Ouattara. Après le congrès de Bamako, mis au courant, les Ivoiriens vont décider de boycotter ces cars de transport. Alors, craignant la faillite, il prend toute sa famille et il retourne au Burkina Faso. Alassane Ouattara doit avoir entre 4 et 6 ans. Il n'a pas mis pied dans une école en Côte d'Ivoire. Donc, son père rentre à Sindou. C'est une ville de la Haute-Volta, ancêtre du Burkina Faso. Il va devenir chef, parce que son père et lui étaient chefs. Je vous rappelle, pour ceux qui connaissent l'histoire anthropologique africaine, c'est que les Ouattara, on les trouve simplement au Burkina Faso, pas ailleurs. Si vous les trouvez en Côte d'Ivoire et en Guinée aujourd'hui, c'est le phénomène d'immigration. Mais à l'origine, les Ouattara, on les trouve en Haute-Volta,
ancêtres du Burkina Faso, mais on les trouve dans la région de Bobo Dioulasso et les environs. Vous avez dans cette même région, vous avez les Ouattara et vous avez les Sanogo. Les Sanogo s'occupent de ce qu'on appelle le spirituel et les Ouattara s'occupent de ce qu'on appelle le temporel, c'est-à-dire que le gouvernement des hommes. Voilà, donc il va rentrer en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, Haute Volta à l'époque, il va devenir roi à Sendou, c'est une localité dans les environs de Bobo Dioulasso, au Burkina Faso. Mais son fils doit aller à l'école. Alassane Ouattara est né le 27 janvier 1941 en Côte d'Ivoire, à Dimbenko. Mais quand il repart au Burkina, pour bénéficier de la gratuité de la scolarité, son père va faire un acte de naissance, le faisant naître à Bobo Dioulasso le 1er janvier 1942, pour lui faciliter la scolarité. Il va faire une partie de ses études à Bobo Dioulasso, il va aller au lycée à Ouagadougou, il va passer son bac, et il va bénéficier d'une bourse qui le conduit aux États-Unis. Mais parmi les Africains qui bénéficient de ces bourses, il y a des Ivoiriens. Ils prennent le même bateau. C'est-à-dire qu'on a la bourse pour les Sénégalais, on a la bourse pour les Maliens. À l'époque, le Mali, on appelait ça le Soudan français. Et on a la bourse pour les Voltaïques, c'est-à-dire les Burkinabés, comme on les appelle aujourd'hui, et les Ivoiriens. Et tout ce monde va voyager ensemble. Mais des années plus tard, parce que Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo a l'habitude de dire Alassane Ouattara c'est un menteur. C'est Laurent Gbagbo qui dit ça. Il dit Alassane Ouattara c'est un menteur. Et Alassane Ouattara a bâti toute sa carrière sur le mensonge. Il va dire que oui, il était ivoirien et que la bourse qu'il avait c'était une bourse des Burkinabés, mais qu'on a donné le surplus à des étudiants ivoiriens. C'est faux. Chaque pays avait un quota de bourse et pas de 20 pour lui, parce que quand il est étudiant à l'université de la Pennsylvanie à Philadelphia, pour ceux qui connaissent les États-Unis, il y a des Ivoiriens qui sont étudiants avec lui. Mais à l'époque, Henri Conan Bédier, âgé de 27 ans, est stagiaire à l'ambassade de France à Washington. Il va devenir le premier ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Les ambassadeurs se parlent entre eux. Il y a une association des étudiants voltaïques, c'est-à-dire burkinabés aujourd'hui, dont Alassane Ouattara est le président. Nous avons des traces. On a des livres pour ça que je vais vous faire voir à la fin du programme qui expliquent où il fait des revendications en tant que président de l'association des étudiants voltaïques aux États-Unis. Alors, d'où vient que du jour au lendemain, je vous ai parlé pour ceux qui me suivent l'autre fois de Siradou Diallo. Siradou Diallo, c'était un Guinéen. Il était journaliste à Jeune Afrique. Et à un moment, il est rentré en Guinée pour faire de la politique et il nous a quitté paix à son âme. Il a raconté à Béchi Ben Yamed, qui est le patron de Jeune Afrique et qui est le supporter d'Alassane. Alassane qui finance une partie de Jeune Afrique, qui a raconté que Alassane Ouattara avait envoyé un CV là-bas dans les années et c'était marqué nationalité voltaïque. Pourquoi n'avait-il pas marqué ivoirien? Pourquoi? Donc quand il arrive en Côte d'Ivoire, dans les années 89-90, la Côte d'Ivoire est en délicatesse avec ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Depuis 1987, Oufo Boigny a rompu les amarres avec ces deux institutions. Il a refusé de payer la dette. Il ne reconnaît pas cette dette. Un, il y a le fait que les produits et les matières premières de la Côte d'Ivoire sont dévalués comme dans tous les pays africains. Donc Oufo dit, écoutez, vous achetez mal mon cacao, je ne le vends plus. Je le rachète aux paysans, aux agriculteurs ivoiriens, je vais le stocker, mais je ne le vous vends plus. Donc, en 1989-90, la Côte d'Ivoire est en état de cessation de paiement. Elle est sur le bord de la faillite. C'est l'époque où les manifestants en Côte d'Ivoire commencent à lancer des cris. Au fouet voleur. Donc, il fallait trouver une parade. Au fouet veut se réconcilier avec le Fonds monétaire international. Mais on lui impose Alassane Ouattara. Alassane Ouattara vient en Côte d'Ivoire. Au fouet va le nommer le chef de ce qu'on appelle le comité interministériel. C'est une espèce de patron des ministres. Mais dans la constitution ivoirienne, on a supprimé le titre de premier ministre. Donc pour réinstaurer ce titre, il faut procéder à une modification constitutionnelle. C'est ce qu'Ofoué Boigny va faire. Et il va nommer Alassane premier ministre contre l'avis des partisans
même de Félix Houphouët-Boigny, parmi ses, partis, Félix, ses partisans, vous avez des gens comme Camille Alali. Ceux qui sont ivoiriens savent de quoi je parle. Son compte. Mais au fond, il va le nommer, il va passer outre. Mais il va se passer plusieurs choses. Avant que Alassane Ouattara ne soit nommé Premier ministre, il y a une dame qui s'appelle Dominique Folorou. Dominique Folorou, c'est l'actuelle épouse du président ivoirien. On ne s'intéresse pas aux histoires de cul, mais cette histoire a une incidence dans ce qui va se passer dans la vie politique ivoirienne. Dominique Folorou arrive en Côte d'Ivoire avec son mari, un professeur français, qui s'appelle lui-même Folorou. Il est instituteur, il est professeur. Il a pour ami, salut Adja, il a pour ami Valmouké. Valmouké est le ministre de l'enseignement professionnel. Mais son oncle, qui s'appelle Abdoulaye Faniga, est le gouverneur de la BCAO, la Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest, avec siège à Dakar. Alors, ce ministre Valmouké, qui est le patron de la femme de Dominique Ouattara, à l'époque Dominique Folorou, commence à sortir avec cette blanche. Elle est née en Algérie, c'est une pied noire, c'est une juive, ce qu'on appelle les juives errants. Elle est née en Algérie, elle est venue en Côte d'Ivoire dans les bagages de son mari, et elle a dit à tous ses amis, je ne vais pas passer ma vie avec quelqu'un qui corrige les copies. Voilà. Donc elle voit grand. Elle commence à sortir avec ce monsieur, qui est ministre de l'apprentissage. Voilà. Mais entre-temps, il y a un garçon qu'on appelle Paki Bokoum. Paki Bokoum. Alors, voilà, merci Bamba Insa. Vamoussa, c'est bien. Alors, c'est comme ça qu'il s'appelle ce type. Alors, il était ministre de l'enseignement professionnel, d'apprentissage, si vous voulez. Donc, entre-temps, il y a un garçon qu'on appelle Paki Bokoum. Paki Bokoum, si vous connaissez Abidjan, en face de la présidence, il y a la BAD, il y a Air Afrique, et il y avait des appartements pour les gens qui étaient fortunés, qui coûtaient très cher. Paki Bokoum habitait là-bas. Alors, ceux qui fréquentaient les boîtes de nuit à l'époque à Abidjan, comme moi, doivent connaître ces garçons. Alors, c'est quelqu'un qui allait souvent voir le président Houphouët-Boigny et qui lui présentait des nanas pour lui soutirer un peu d'argent. Donc, c'est comme ça qu'il va amener Dominique Folorou, actuelle madame Alassane, présentée à Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny va tomber amoureux d'elle. Il va lui confier la gestion de son patrimoine immobilier. Elle va créer une entreprise pour gérer tout ça. Dans la foulée, on va lui présenter le président togolais de l'époque, Eyadema. On va lui présenter Omar Bongo et Abdoulaye Wade dans l'opposition. Elle va constituer un portefeuille et un vrai patrimoine à partir de la fortune de Félix Houphouët-Boigny. Donc, elle sort avec Félix Houphouët-Boigny. Mais Alassane Ouattara est vice-gouverneur de la BCAO. Le patron de la BCAO s'appelle Abdoulaye Fadiga. Abdoulaye Fadiga sort aussi avec ce qui va devenir Madame Ouattara, Dominique Folorou. Donc Abdoulaye Fadiga commence, qui me dit Herman Yvon, non, il n'était pas ministre de l'éducation nationale, il était ministre de l'apprentissage, quelque chose d'un proposé, c'était pas lui le ministre de l'éducation. Parce que quand il était ministre de l'apprentissage, quelqu'un d'autre était, je ne sais pas si c'est celui qu'on a tué au Burkina, là, celui qui était ministre de l'éducation nationale. Voilà. Mais lui, il était ministre de l'apprentissage, quelque chose. Bref, elle sort aussi avec Abdoulaye Fadiga, qui est l'oncle de Vamoussa. Alassane Ouattara, qui est l'adjoint du gouverneur, sort avec elle également. Et c'est comme ça qu'elle va imposer à Félix Houphouët-Boigny de nommer Alassane Ouattara Premier ministre. Houphouët va le nommer Premier ministre. Mais quand il va découvrir que Alassane Ouattara sort avec elle, il va lui imposer de l'épouser. Je vous cite des références. Lorsque il y a des histoires entre Gbagbo et Alassane, merci Norbert, c'est Bala Keita qui était ministre de l'Éducation nationale. Absolument merci. C'est lui qu'on a tué, au Burkina Faso à travers ce qui est devenu ministre de l'Éducation, l'analphabète qui vient de la Guinée. Là. Voilà. Donc, lorsque on va nommer Alassane Premier ministre, il va épouser Dominique Ouattara, à l'époque Dominique Folorou, la veuve Folorou. Il va se passer deux choses.
quand vous lisez dans les médias, les gens vous racontent que oui, mais voilà, c'est Sarkozy qui les a mariés parce que Sarkozy était maire de Neuilly. Mais c'est faux. Oui, Sarkozy a été maire de Neuilly, mais ce n'est pas Sarkozy qui les a mariés. Merci à Bamba qui me précise les choses. Alors, c'est pas Sarkozy qui les a mariés. Alassane Ouattara voulait une reconnaissance, notamment sa femme qui a acheté tous les hommes politiques français, qu'ils soient de gauche ou de droite. Donc, ils ont voulu que c'est Sarkozy qui les marie, Chirac qui les marie. C'est, Sarkozy était maire de Neuilly, mais Chirac était maire de Paris. Mais Paris a 20 mairies. Mais bien que Chirac ait été le super maire, il avait sa mairie à lui. Et la mairie de Jacques Chirac était dans le 16e arrondissement. Donc, quand Alassane et sa femme veulent aller se marier au 16e arrondissement et que c'est Chirac qui préside le mariage, Chirac ne le fera pas. Il va déléguer la tâche à son premier adjoint qui lui-même va la déléguer à son deuxième adjoint. Et quand on va lui demander, Chirac l'a dit, j'ai beaucoup d'ouvrages où je peux vous citer, Chirac a dit, ce type a volé la femme d'Oufoué Boigny. J'ai vu Oufoué pleurer. C'est Jacques Chirac qui le dit. Et d'ailleurs, des années plus tard, lorsqu'on va essayer de plaider la cause de Ouattara devant Chirac, Chirac va dire, Michel Alliot-Marie, qui est ministre de la Défense, il va dire, Chirac ne veut pas entendre parler. Chirac ne veut pas en entendre parler parce qu'il a piqué la femme du vieux. Allusion au fait que Alassane Ouattara ait arraché la femme de Félix Oufo-Boigny, qui est son actuelle femme, ancienne maîtresse de Félix Oufo-Boigny. Et Dona Fologo, qui est encore en vie, vous pouvez lui demander. Quand on lui demandait, mais président, laissez-la, il y a plusieurs familles, elle a dit non, elle a du chien. Elle a du chien. C'est ce que disait Félix Oufo-Boigny. Lisez Bernard Oudin, le conseiller de Gbagbo. Alors, tout ça pour vous tracer. Alaï, le président Gbagbo a dit quoi? Il dit, c'est ça l'homme. L'homme, il marche et il laisse des traces. L'homme marche et il laisse des traces. Alassane Ouattara, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a présenté une personnalité anguleuse. C'est quelqu'un de pas honnête. Et Gbagbo le dit. Gbagbo dit, c'est un menteur. Quand on lui dit Alassane, il dit Alassane Ouattara, c'est un menteur. Et c'est vrai. Alassane Ouattara, c'est un menteur, mais c'est un tricheur. Toute sa vie est entachée de tricherie. Là, maintenant, comment les juges ont allégé la situation de Gbagbo? Il y a moins de 3 mois, on va à la Cour pénale internationale. J'étais, parce que je suis un supporter de Gbagbo, je vais à toutes les audiences. Les avocats de Gbagbo font remarquer remarquer à Alassane Ouattara que mais vous avez envoyé des gens à la haie pour empêcher Gbagbo de revenir en Côte d'Ivoire alors qu'il a été acquitté. Alassane Ouattara dit non, je n'ai jamais fait, les gens qui sont partis là-bas ce n'est pas moi. Un menteur, c'est-à-dire qu'il emploie des avocats et face à l'indignité, parce qu'il y a des musulmans au Sénégal, comment on l'appelle, le chef des Baïfal, le Mouride, qui l'appelle en tant que musulman, qui lui dit mais quelles sont ces histoires? Il y a eu un problème politique. Tu as envoyé ton frère à l'étranger, tu l'as déporté. Maintenant, on dit qu'il est acquitté. Mais tu appelles les blancs pour leur dire qu'ils ne reviennent pas. Alassane dit non, c'est pas moi. Moi, les avocats. Donc, en plein procès, la dernière fois, il y a 3 mois, j'étais à la haie personnellement, j'étais en salle d'audience. Les avocats de Gbagbo disent que. Au juge, mais que madame la procureure, pourquoi vous empêchez mes clients de retourner chez eux? Alassane Ouattara dit que ce monsieur qui parle en son nom, il ne les connaît pas. Les avocats français sont sortis la queue entre les jambes. Parce qu'Alassane a dit publiquement que ce n'est pas moi qui les envoie. Mais vous faites donc quoi là-bas? Vous n'êtes pas ivoirien, monsieur. Vous vous mêlez de quoi, nom de Dieu? Voilà. Donc, la Cour pénale internationale a été obligée de tenir compte de cela. Parce que tout le monde sait que c'est un procès politique. Fatou Bensouda, que je connais personnellement, depuis qu'elle était ministre en Gambie, mais son mari, franco-tunisien, gagne des marchés en Côte d'Ivoire pour plusieurs milliards de dollars. Et en contrepartie, on fait appel, on empêche Gbagbo de rentrer. C'est-à-dire qu'il a été accusé pour des crimes très très graves, d'une gravité pas possible. Crimes contre l'humanité, génocide, crimes de guerre, viol en réunion, mais on estime que on l'acquitte, il est acquitté. C'est-à-dire qu'il est innocent de toutes ces charges. Mais il est, oui d'accord, on l'acquitte, mais il reste là.
pour le bon plaisir d'Alassane. Il faut qu'il fasse deux mandats. Voilà. Donc, les amis, nous sommes dans cette situation. Je ne sais pas par quel bout commencer parce que ce personnage, lorsque dans 50 ans, dans 100 ans, les historiens vont se pencher sur le cas de la Côte d'Ivoire, mais on va voir que ce malfrat a fait beaucoup de mal non seulement à la Côte d'Ivoire, mais à toute l'Afrique. Regardez la situation du franc CFA. Il y a 3-4 mois, Alassane Ouattara, on lui disait quoi? Non, il était devant l'Elysée après avoir bu du scotch parce qu'il adore le whisky. Curieux pour un musulman. Et là encore, c'est un menteur. Il s'habille en musulman, mais il y a une des règles dans l'islam. Tu ne bois pas d'alcool. Un musulman ne boit pas, un bon musulman ne boit pas d'alcool. Alassane Ouattara, il adore le whisky. Et il aime se faire servir par des serveurs en gants. Voilà. Et il est allé chez Macron, je crois qu'il a abusé du whisky. Il sort du perron sur le perron de l'Elysée. Il dit, oui, mais voilà, le franc CFA, c'est une monnaie solide. C'est une monnaie qui tient la route, etc. J'ai été gouverneur, j'ai été ceci. Mais on s'en fout que tu étais gouverneur. On s'en moque complètement. Tu es un renégat qui a vendu le peuple et qui t'a engendré, monsieur. Tu vois très bien que Laurent Gbagbo, il n'a pas les moyens que tu as. Les moyens pour faire la campagne. Mais le peuple africain le supporte. Beaucoup de ceux qui supportent Gbagbo, on ne les connaît pas, il ne les a jamais vus. Il ne les verra jamais sûrement. Et quand je parle de moyens, lorsqu'ils ont transféré Gbagbo à la haie, avant sa première comparution, les juges sont allés le voir dans sa cellule. On lui a dit, monsieur le président, est-ce que, comment vous avez l'intention de payer vos frais de défense? C'est les gens de la CPI qui viennent le dire, envoyés par Sarkozy. Gbagbo leur a dit, mais je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Les seules sources de revenus que j'ai, c'est mon salaire de président de la République qui est payé dans un compte à la salle. Je n'ai pas d'argent. Ils ont dit, oui, mais de toute façon, ne vous en faites pas. Si vous avez caché de l'argent, on va voir. Gbagbo leur a dit, si vous trouvez, prenez tout, gardez tout, ne me donnez rien. Ils ont cherché partout, on n'a pas trouvé. Parce que Laurent Gbagbo n'est pas un homme d'argent. Demandez, j'ai des amis qui ont demandé à Gbagbo d'être parrain de leurs enfants. Si Gbagbo t'a trop donné ses 50 000 francs, parce qu'il prend ça dans son salaire. Laurent Gbagbo n'est pas un homme d'argent. Le jour que Gbagbo est devenu président, il a réuni ses enfants que je connais bien, il les a réunis dans une salle et leur a dit, écoutez, aujourd'hui je deviens président. Je suis président de la Côte d'Ivoire et de tous les Ivoiriens. Pour vous, je serai toujours votre papa. Je ne serai jamais président par rapport à vous. Je ne vous donnerai rien. Absolument rien. Vous allez vivre comme vous avez toujours vécu. Mais ce que je vais vous donner mon nom. Vous n'aurez jamais honte de vous appeler Gbagbo. Parce que Gbagbo, ça ne tue pas. Ça ne vole pas. Ça ne prend pas ce qui n'est pas à toi. Voilà. Donc, quand je vois un commis Diabaté qui parle de plaisanterie, alors qu'on sait que le RDR, il y a un monsieur Diabaté là qui me traite de plaisanter, alors je vais lui expliquer un peu l'histoire, parce que la plupart des supporters d'Alassane Ouattara, c'est des analphabètes. Alors monsieur commis Diabaté, je ne vais pas vous bloquer, je ne vais pas vous faire ce tonnerre, mais je vais vous faire un coup de droit, un coup d'histoire magistral et gratuit. Vous portez un nom qui s'appelle Diabaté. Alors, Diabaté, le RDR, le parti dont Alassane Ouattara se prévaut, ce parti a été créé par Jenny Kobena. Et Jenny Kobena a créé ce parti sous instigation de Gbagbo. Parce que Jenny Kobena, qui a des ascendances ghanéennes, faisait partie du PDCI. Et lorsque Henri Konan Bédier est devenu président de la République, et il y avait un congrès interne au PDCI RDA à l'Hôtel Ivoire, Jenny Kobena a voulu prendre la parole. Bédier a refusé de la lui donner malgré l'insistance de Georges Oignin. Et c'est de ce jour que Jenny Kobena a quitté la salle sous les colibés des supporters de Bédier. Il est allé voir Gbagbo. Pourquoi est-il allé voir Gbagbo? Il avait connu Gbagbo au camp de détention militaire, là où les avait envoyés Félix Houphouët-Boigny dans les années 70. C'est là où il a fait la connaissance de l'alors capitaine Robert Guéhi, qui plus tard va devenir général.
C'est aussi là où il a connu des gens comme Abdourahamane Sangaré, etc. Alors, il va voir Gbagbo, il demande à Gbagbo qu'il veut militer au sein du FPI, le parti de Gbagbo. Gbagbo lui a dit non, ne viens pas ici. Ce que je te conseille, crée plutôt ton parti. Il dit à Gbagbo, mais comment je vais faire? Gbagbo dit non, vas-y, tu crées un parti, je vais rédiger les statuts. Et comme tu n'as pas d'argent, je vais t'aider. Salut et bienvenue à mon ami, le professeur Alou Kuntu depuis Lille en France. Bienvenue. Alors, c'est comme ça qu'on crée le RDR, qui est devenu le parti d'Alassane Ouattara. C'est Gbagbo qui rédige les statuts. Les premières années, c'est Gbagbo qui va payer les frais de ce parti. Jusqu'au moment où il ne peut plus, parce qu'il est dans l'opposition, il va lui dire, écoute, je ne peux plus. Jenny Kobenan va aller retrouver un monsieur qui était secrétaire du PDCI. Il avait un collège. Son nom me reviendra plus tard. Il va mourir dans la misère parce que Bédier va faire fermer ses collèges, etc. Et ils vont aller retrouver le vieux Lamine Diabaté. Je vous parle de ça parce que patronyme. Ils vont aller voir Lamine Diabaté. Lamine Diabaté, c'est qui? C'est le mari d'Henriette Diabaté. Et lui va leur dire, écoutez, salut à mon ami Berel Joanne, Bao, bienvenue, salut Inès. Alors, il va donc aller voir le vieux Diabaté, Lamine Diabaté, qui est le mari, à la ville il est marié à Henriette Diabaté. Henriette Diabaté, c'est je crois la patronne de... Elle a été la patronne du parti à un moment. Et celui-là va leur dire, écoutez, vous venez me voir à mon âge, je suis à la fin de ma vie politique. Je connais un monsieur qui peut vous aider. Allez voir Alassane Ouattara. Lui, il a de l'argent et il va vous aider. C'est comme ça qu'ils s'en vont voir Alassane et Alassane reprend le RDR. Mais le RDR, c'est une création de Laurent Gbagbo. Et la plupart des gens qui sont dans le RDR, c'est ce qu'on appelle les dissidents. Les dissidents du PDCI pour cause d'ivoirité. Les transfuges, voilà le mot que je cherchais. La plupart des militants du RDR, parce que en Côte d'Ivoire, le parti unique, c'était le PDCI. Nous sommes à l'époque des partis uniques. Et le seul vrai parti d'opposition en Côte d'Ivoire, c'est le FPI, le Front Populaire Ivoirien, un parti qui a été créé de toutes pièces, que personne n'a financé en dehors des militants. Voilà le seul vrai parti. Mais quand vous parlez du RDR, la plupart des analphabètes du RDR, que moi j'appelle les miliciens, les gourous, qui ne connaissent même pas l'histoire et qui s'amènent ici pour me traiter avec des noms d'oiseaux. Alors, c'est pour ça que je voulais lui refaire l'histoire. Laurent Gbagbo est impliqué dans la vie ivoirienne à tous les niveaux. D'ailleurs, ceux qui étaient en Côte d'Ivoire quand on a annoncé la mort de Félix Houphouët-Boigny, ils ont vu Gbagbo pleurer. Pourquoi? Parce que les deux hommes se sont vus. Les deux hommes se sont vus. Merci Philippe Kouedi. Les deux sont, oui, les Djoulas sont majoritaires dans le RDR parce que c'est des moutons. Ils sont dans le RDR parce qu'Alassane s'appelle Ouattara, etc. Mais ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas du tout. Mais là où ils sont bêtes, ces Djoulas musulmans, là où ils sont bêtes, ils ne savent pas que c'est Gbagbo qui a noué les relations avec l'Arabie Saoudite et que sous Gbagbo, les musulmans ne payaient pas le pèlerinage. Ils le faisaient gratuitement. Mais aujourd'hui, Gbagbo a cassé le magasin. Bonsoir à la camarade Francis Bébi, la combattante Francis Bébi qui nous rejoint. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Marie Wako. Là où ils ne savent pas, ces petits moutons-là, c'est que Gbagbo a noué les relations avec l'Arabie Saoudite et c'est le seul président ivoirien qui a payé le pèlerinage gratuit aux pèlerins. Mais qu'est-ce que Gbagbo a fait à toutes ces mamans qui racontaient que on les a violées, on a fait ceci? Mais Alassane a cassé tout le magasin. Et elles dorment dans les cimetières. Elles ont commencé à crier à Djoula, Gbagbo, Kafissa. Kafissa, ça veut dire Gbagbo est mieux. Quand on le dit, parce qu'à l'époque, ils disaient Alassane puissance. Mais maintenant, quand on le dit Alassane, ils disent Babie. Voilà. Donc, quand un mouton comme celui qui est venu me parler ici, une espèce d'analphabète, là, vient parler, alors qu'il ne connaît même pas l'histoire, l'ancien ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, c'est lui, le prédécesseur de Jean-Marc Simon, on l'appelait le Lidec. Le leader qui a écrit un livre dans lequel il raconte que ils ont voulu rencontrer Gbagbo, tous les petits malfrats, là, soi-disant rébellion. Ils ont voulu rencontrer Gbagbo à Yamsoukro. Gbagbo les a reçus. Il y avait Moru Ouattara, qui est le petit frère de Ouattao. Ils se sont rencontrés, Soro Guillaume et tous ces gens. Gbagbo leur a dit, mais petits,
vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Ce Voltaïque, c'est un menteur. Quand il sera président, les plus chanceux d'entre vous iront en prison et en exil. Tous les autres vont mourir. C'est ce que Gbagbo disait à l'époque, avant qu'on ne lui fasse le coup d'État. Solo Guillaume qui disait, Gbagbo is finished. Il est où aujourd'hui? Il est en exil. La maison qu'on lui a confisquée, la maison qu'on lui a confisquée, c'est Gbagbo qui donne des instructions. Parce que je vais vous rappeler que tous ces gens, étaient à Boaké. Quand ils arrivent à Abidjan, on doit faire le gouvernement d'Union nationale. Ils ont peur. Ils vont habiter à l'hôtel du coffre. Gbagbo le nomme. Gbagbo va nommer Soro Guillaume premier ministre. Il traite directement avec Soro Guillaume. Et Alassane Ouattara se fâche. Soro Guillaume lui dit que, mais, président, pourquoi est-ce que tu me nommes sans parler à Alassane? Il a dit, mais Alassane n'est pas ivoirien. Je veux qu'on règle cette histoire entre ivoiriens. Il a nommé Soro Guillaume. Et il dit à Soro Guillaume, écoute, pourquoi tu vas habiter à l'hôtel du Golfe? Tu es le premier ministre de l'État de Côte d'Ivoire. Tu dois recevoir les premiers ministres d'autres pays. Ce n'est pas convenable que tu ailles habiter à l'hôtel du Golfe. Il a donné des instructions pour qu'on trouve une maison à Soro Guillaume. Et c'est la maison qu'Alassane Ouattara a confisquée aujourd'hui. Mais effectivement, Soro Guillaume n'a rien fait de mal. Je ne savais pas que de mon vivant, je me retrouverais en situation de devoir être avocat de Soro Guillaume. Mais je suis obligé de dire la vérité. Gbagbo donne des instructions et Alassane Ouattara, sa maison avait été détruite. Gbagbo donne des instructions pour qu'on refasse sa maison aux frais de l'État. Soro Guillaume, lui, n'a pas de maison, donc on n'a pas de maison à refaire pour lui. Mais Gbagbo donne aussi l'instruction pour qu'on lui donne qu'on lui trouve une maison. Et c'est cette maison qu'on vient de lui confisquer aujourd'hui. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Soro Guillaume, mal élevé qu'il est, il oublie plusieurs choses. D'abord, je vous dis, excusez-moi du vocabulaire que j'utilise, je vous prie de comprendre mon émotion, mes chers amis, parce que... Alors, Soro Guillaume, d'abord, c'est un opportuniste. Comment est-ce que Gbagbo fait la connaissance de Soro Guillaume? C'est le fils aîné de Gbagbo, Michel Gbagbo, qui amène Soro Guillaume à déjeuner chez Gbagbo. Vous savez comment ça se fait en Afrique? Tu as un ami, il t'amène chez eux, vous allez manger, c'est normal. C'est comme ça que nous sommes en Afrique. Pas de protocole. C'est comme ça qu'on amène Soro Guillaume manger chez Gbagbo. Gbagbo ne le connaît pas. Gbagbo le prend comme un fils. Lorsqu'il y a la tentative de coup d'État, Soro Guillaume n'est pas mêlé à ça. Il prend le train en marche. Il dit, c'est Ibé, le général Ibé, le sergent Ibé, Ibrahim Koulibaly, qui va le présenter à Blaise Compaoré et qui va le présenter à Alassane Ouattara. Mais Ibé était le garde du corps des enfants d'Alassane Ouattara. Donc voilà comment Soro Guillaume va entrer dans la danse. Quand on arrête Gbagbo, je vous ai dit de m'excuser parce que cette conversation à bâton rompu ne va pas suivre un ordre chronologique précis en matière de narration. Donc je suis en train de parler. Oui, Philippe Kouedi dit que Soro était au syndicat étudiant, la FESI. Mais Gbagbo va le connaître à travers son fils. Michel, son fils aîné, qui lui est professeur maintenant. Voilà. Mais Soro Guillaume va rater le train. Parce que quand tu es un traître, tu vas rester traître à vie. Quand Alassane Ouattara, quand Gbagbo constate que malgré ses efforts pour faire la paix avec ses frères, Karamoko, Charlène Dembélé, mon petit frère, toi tu n'es pas dedans. Quand je dis Djoula, tu sais de quoi je parle. Toi tu n'es pas dedans. Tu sais que la grande famille Malinke Bambara, c'est une grande famille. Je parle des petits connards, hein. C'est pas toi. Alors, il faut se rappeler du contexte. Gbagbo est élu comment? Gbagbo a eu la chance, au moment de l'élection, qu'en France se jouait la cohabitation entre Jacques Chirac et Lionel Jospin.
Vous savez que partant de cohabitation, un premier ministre qui est issu de cette n'est pas comme un premier ministre ordinaire. Il a des pleins pouvoirs. Et nous sommes pendant les vacances de Noël. Chirac est au Maroc, Jospin est à l'île de Ré, quand il y a le coup d'État. Mais personne ne le voit venir. Personne ne le voit venir parce qu'il y a d'abord ce coup d'État qui a été réglé depuis Paris. Parce qu'il y avait un Ivoirien, je ne connais pas son nom, c'est un Ahmed. Il s'occupait des déchets, des poubelles. Il y avait sa société qui s'occupait des voiries en Côte d'Ivoire. Ce type a des problèmes avec Bédier. Bédier veut le mettre en prison. Il fuit, il va en exil à Paris. Entre-temps, Bédier a collé un mandat d'arrêt international à Alassane Ouattara pour faux, usage de faux et nationalité douteuse. Parce qu'Alassane Ouattara a falsifié les papiers. Je vous dis que ce type, c'est un faussaire. Et c'est pour ça que Gbagbo dit de lui que Alassane Ouattara, c'est un menteur. Parce que tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est du faux. Il vient présenter un acte de naissance qui lui donne la nationalité ivoirienne. Et pour supporter tout cela, merci Rina Bonheur, oulala, vous êtes une ange. Ahmed Bassam, j'adore ça. Je vais revenir dessus, merci de m'aider comme ça. Alors, ce type, pour revendiquer sa filiation ivoirienne, il présente un acte de naissance ivoirien. Mais pour soutenir tout cela, qu'est-ce qu'il fait? Pour soutenir tout cela, c'est Jean-Didier Onana qui me dit qu'il a mes bois de sardines. Moi, je ne mange pas la sardine, je suis peul. Je suis peul de la Damawa. Je mange du gombo, pas la sardine. Et voilà. Donc, bref, la parenthèse, excusez-moi les amis. Pour soutenir sa nationalité ivoirienne, il sort une carte d'identité ivoirienne appartenant à son père, rédigée en 1948. Mais quand on veut faire du faux, il faut être un peu intelligent. Parce qu'en 1948, il n'y avait pas de carte d'identité nationale ivoirienne. Pour la simple et bonne raison que la Côte d'Ivoire faisait partie de la France. Les Ivoiriens étaient titulaires des cartes d'identité françaises. Il n'y avait pas de carte d'identité nationale ivoirienne parce que la Côte d'Ivoire faisait partie de la France. Et les citoyens ivoiriens, au même titre que les Sénégalais et les autres, étaient des citoyens français. Je vous parle de 1948. Il y a eu des réformes avant ou après. Voilà. Mais comment vous pouvez venir nous sortir une carte d'identité ivoirienne, carte d'identité nationale ivoirienne établie en 1948, alors que la Côte d'Ivoire n'avait pas accédé à la souveraineté? C'est l'époque où Fouet-Boigny était membre dans les gouvernements français et il se battait pour que la Côte d'Ivoire fasse partie de la France. C'est l'époque où il disait la Côte d'Ivoire a deux avocats, on a un ingénieur, on a un dentiste, on a un médecin, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et il militait avec Léon Ba pour que la France ne donne pas les indépendances, contrairement à Sékou Touré qui avait voté, appelé à voter le nom. Voilà. Et Alassane Ouattara vient nous raconter que son père, il présente une carte d'identité ivoirienne datant des années 40. C'est complètement absurde. Donc toute sa vie, c'est ce qu'il a fait. Je vous parlais tout à l'heure du premier tour de l'élection présidentielle en 2010. Je vous disais que entre le premier tour, c'est-à-dire le premier tour, entre 1h du matin, vers 20h, 21h, Henri Konan Bédié est en tête. Oui, il est en tête. Gbagbo est deuxième. Nous sommes au premier tour. Entre 1h du matin et 2h du matin, Gbagbo est revenu en tête et Henri Konan Bédié est deuxième. Il devance Alassane Ouattara de 600 000 voix. À 5h du matin, Alassane Ouattara devance Bédié de 600 000 voix. Donc, les gens du PDC ne sont pas contents. On veut faire appel. La personne qui s'occupe des questions juridiques au PDCI, le parti de Bédié, c'est Aousso Jeannot. On lui demande à Aousso Jeannot et au secrétaire général du PDC de l'époque de faire appel. Il dispose de 3 jours pour faire appel. Mais entre-temps, Sarkozy a contacté Aousso Jeannot de ne rien faire. On lui a promis des choses. On lui a dit, écoute, dès que Alassane est président, tu seras ministre de la Justice et même premier ministre. On lui promet de l'argent, on lui demande son numéro de compte à Paris, on lui verse déjà 2 millions d'euros. En signe de bonne foi.
les 3 jours vont passer. Aousso va, pour faire bonne mesure, se présenter à la commission électorale indépendante, non, au conseil constitutionnel, où il va faire appel. Mais on va lui dire que le délai est passé. Parce que vous disposiez de 3 jours. Passer ce délai, votre appel n'est pas recevable. Mais Bédier n'est pas au courant de cela. Donc, Bédier veut faire des problèmes. Alassane Ouattara, Nicolas Sarkozy l'appelle et lui dit, écoute-moi mon grand, n'oublie pas que quand tu étais président, la commission, l'Union européenne t'avait fait un prêt de l'équivalent de 18 millions d'euros. Cet argent est parti en fumée. Alors, si tu ouvres, si tu l'ouvres encore, on va t'attaquer pour ça et tu as plein de dettes à Paris. Donc, tu te montres raisonnable et on va s'occuper de toi. Dès que Bédier a renoncé à son appel, le même jour, on lui a donné l'équivalent, je crois que c'était 45 millions d'euros que Alassane lui a donné. Le même jour, je vais vous présenter les bouquins tout à l'heure à la fin du truc. Vous pouvez lire Côte d'Ivoire, une histoire tronquée. C'est une journaliste française qui l'écrit. Je vous montrerai tout ça en fin de programme. Donc on a donné de l'argent à Bédier pour qu'il se taise, en le menaçant. On a payé toutes ses dettes parce qu'il était très endetté. On a donné beaucoup d'argent aux siens. Alassane Ouattara s'est engagé à employer ses enfants, etc. Donc il va se taire. Un des ponts va porter son nom. Un des ponts que Alassane va construire. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ces ponts, ce sont les programmes de Laurent Gbagbo. Tout ce qu'Alassane est en train de faire, ce sont les programmes de Laurent Gbagbo. J'ai vu un Camerounais ce matin qui m'écrivait et qui s'amusait à me dire que Gbagbo a fait 10 ans et n'a rien fait. Mais non. Gbagbo, dès son accession à la magistrature suprême, il a passé tout le temps à parler de coups. Il a passé tout le temps à parler de coups. Parce que déjà, ce que les gens ne savent pas, parce que Gbagbo n'est pas... il n'a pas l'âme d'un complotiste. Gbagbo ne voulait pas alarmer ses concitoyens. Mais Gbagbo, moins de 6 mois après qu'il soit installé président, on a commencé à lui faire des coups, tenter des coups d'État contre lui. Déjà, lorsque il y a l'élection présidentielle face à Robert Guéhi, le général Robert Guéhi, qui s'autoproclame président, la rue est sortie, on va le chasser. Gbagbo est devenu président. Mais Gbagbo n'est même pas encore investi président. Il y a déjà des morts. Il y a des morts qu'on va lui attribuer à lui. On va parler du charnier du Yopougon. Gbagbo va ordonner une enquête. On va prendre ces morts. Certains ont été noyés. Certains ont été tués à des milliers de kilomètres. Et on est venu les mettre là. Et on attribue ça à Gbagbo. Or, quand ces gens sont morts, Gbagbo n'était pas président. Voilà. Donc, le complot contre Gbagbo commence là. Parce que Gbagbo, c'est un président atypique. Il n'est pas sensible à l'argent. On ne sait pas par quel moyen le tenir. Ce n'est pas le président normal de la France-Afrique qui courbe les chines. Déjà, il faut dire qu'avant que Gbagbo ne soit président, lorsque nous sommes sous la présidence du général Robert Guéhi, où on a fait une espèce de gouvernement d'Union nationale, c'est Mamadou Koulibaly, le professeur Mamadou Koulibaly, économiste de formation, qui est l'actuel président du LIDE. Il est même candidat à l'élection présidentielle, un homme intègre. Il a été président de l'Assemblée nationale, que je salue ici. À l'époque, il a été ministre des Finances et de l'Économie, je crois, sous le gouvernement de Robert Guéhi. Il participait à ce gouvernement au titre du FPI, parce que c'était un gouvernement d'Union nationale. Et à moins de 2 ans, il menaçait de payer toute la dette extérieure ivoirienne. Chirac a appelé que, mais que ce soit façon, c'est pas comme ça qu'on travaille, mais comment. Et on a demandé au premier ministre, quoi, c'était Diarra, de se débarrasser de lui. Parce qu'il était en train de payer la truc. Et il va garder la même mentalité, parce que quand Gbagbo devient président, il va instaurer quelque chose qui s'appelle le budget sécurisé. Le budget sécurisé. C'est Gbagbo qui fait ça. Alors, ça veut dire quoi le budget sécurisé? Ça veut dire que tu dépenses ce que tu as. Tu dépenses ce que tu as. Si tu gagnes 100 francs, tu dépenses moins de 100 francs, mais pas plus de 100 francs. Donc, on n'a pas besoin d'aller demander de l'argent. Et Gbagbo a gouverné comme ça. Gbagbo a généré beaucoup d'argent en gouvernant comme ça. Et
la Côte d'Ivoire va même se permettre de luxe de prêter l'argent à des pays comme le Mali, le Burkina, le Tchad, le Niger, etc. C'est comme ça que Babou a géré. Il a commencé à réfléchir à la création d'une monnaie africaine en remplacement du franc CFA. Et cette monnaie aurait eu pour symbole l'éléphant. Voilà. Je vous raconte une petite anecdote. Un jour, Alassane Ouattara a mis une délégation d'hommes d'affaires voir Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est un patriote. Il s'est dit, ben voilà, ça c'est un leader politique. Il m'amène des gens. Peut-être que c'est des gens qui vont faire des choses pour la Côte d'Ivoire. Gbagbo les reçoit. Il donne l'ordre qu'on leur facilite les choses, qu'on leur ouvre les portes en Côte d'Ivoire. Les gens sont installés, etc. Et Alassane Ouattara va les voir. Il leur demande, mais vous lui avez donné combien? Les gens lui ont dit, mais non, on ne lui a rien donné. Alassane leur demande, mais est-ce que il vous a demandé quelque chose? Ils ont dit, mais non, il ne nous a rien demandé. Alassane s'en va voir. Vous pouvez voir ça, hein, Ouattara, une imposture africaine. C'est le livre de Bernard Houdin, le français qui conseille Gbagbo. Donc je ne raconte pas des histoires, je vous cite des références. Et il raconte cette anecdote là-dedans. Alassane s'en va, Alassane Ouattara va voir Gbagbo et lui dit, mais je ne comprends pas. Tu aides les gens, mais tu ne retiens jamais rien pour toi. Et Gbagbo lui dit, mais moi je fais de la politique, je ne fais pas des affaires. Et c'est ça Laurent Gbagbo. Ceux qui le connaissent vont vous dire que Laurent Gbagbo n'est pas un homme d'argent. Oui, il a un bon coup de fourchette. Il a ses plats, il boit du Niamankou. Laurent Gbagbo, il vit plus la nuit que la nuit. Si vous allez le voir à 21h, c'est votre soirée est foutue parce qu'il va vous garder jusqu'à 5h du matin parce qu'il vous raconte histoire après histoire. Donc c'est ça Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo n'est pas un homme de magouille. C'est pas un tricheur. Quand il donne sa parole, il la garde. Mais Alassane Ouattara joue sur l'ambiguïté. Il a promis des choses à des Ivoiriens. Mais il fait les actes contraires. Voilà, on va faire ceci, on va faire cela. Les gens vous parlent du progrès économique en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens sont endettés au moins pour 1000 ans. Parce que quand on fait un projet, quand on réalise un projet en Côte d'Ivoire, et que ce projet a coûté 100 euros, il faut multiplier les 100 euros par 1000. Parce que c'est un régime corrompu. Est-ce que vous savez que les enfants de la femme de Ouattara, c'est eux qui contrôlent le cacao en Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont fait des deals avec des grands groupes de cacao à l'étranger? Est-ce que vous savez que Abidjan est devenu une ville de riches? J'étais au Ghana au mois de décembre. J'ai été invité à déjeuner chez mon ami Abedi Pelé qui me disait, écoute, je vais à Abidjan dans un restaurant français. C'est les mêmes prix qu'à Paris. Souvent même c'est plus cher encore. Donc vous allez dans un restaurant français à Abidjan, mais vous allez trouver que les plats sont encore plus chers que ce que vous trouvez d'ordinaire à Paris. Voilà ce qu'il a fait de la Côte d'Ivoire. Mais il y a des gens qui voient le superficiel, qui vous disent, oh oui, il est en train de travailler. Mais il travaille quoi? On a délogé des familles. Parmi ses propres supporters, Djoula, les femmes Djoula qui ont voté pour lui massivement, beaucoup dorment dans les cimetières, couchent dans les cimetières. Depuis la haie, Gbagbo a fait des propositions, il a pris des mesures pour venir en aide de ses compatriotes en matière de la lutte contre le Covid-19. Mais quand vous allez à Assini, Assini, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, c'est une station balnéaire. Où vont les riches? Nicolas Sarkozy, il a des trucs là-bas immenses. C'est là-bas qu'ils vont, ils vont nocer. Quand vous voulez parler de la politique en Côte d'Ivoire, on vous dit, oh oui, il y a la croissance à deux chiffres. Mais cette croissance profite à qui? Pour ceux qui ne connaissent pas l'économie, je vous dis, la croissance, c'est lorsque l'activité économique il y a une augmentation de l'activité économique. Parce que quand on vous parle du PIB, produit intérieur brut, c'est l'ensemble des richesses et des services créés par un pays en une année. Alors quand on parle de croissance, qui est l'opposé de qui est l'opposé du ralentissement de l'activité économique, la croissance, c'est quand l'économie fait du boom, il y a un boom économique. Et on devrait voir les répercussions, les fruits. Parce que ça va se traduire concrètement dans ce que les économistes appellent le panier de la ménagère. Mais en Côte d'Ivoire, quand on parle de croissance, c'est pour faire plaisir aux institutions de Bretton Woods, aux grandes compagnies multinationales. Mais allez demander à la pauvre maman qui est à Macquarie, qui est
à Kumasi, à Pobwe, à Toshville, qui est à Nibilekou. Est-ce que sa façon de manger a changé, etc. Voilà. Donc ça, c'est la peau de Dieu. Et là encore, on assiste à cette espèce de d'enfumage. L'enfumage qui est la marque déposée d'Alassane Ouattara. C'est-à-dire il dit une chose et il fait des actes contraires de ce qu'il a dit. Tout à l'heure, je vous parlais de, du franc CFA. Il vient maintenant devant tout le monde dire que on va changer le franc CFA, on va le remplacer par l'éco. Mais il n'y a pas 4 mois, le même Alassane Ouattara, depuis le perron de l'Élysée, nous disait que le franc CFA était une monnaie solide et qui protégeait les pays qui en étaient usagés contre l'inflation, qu'il y avait la convertibilité, etc. Mais ce qu'il oublie de dire aux Africains, c'est que depuis 1993, Edouard Balladur avait supprimé la convertibilité en dehors des zones CFA. C'est-à-dire qu'à l'époque, un Africain avec ses francs CFA pouvait aller à Dubaï, faire des achats là-bas. Et les gens de Dubaï appellent la Banque de France, le Trésor de France, qui garantit cette monnaie pour que, ben, écoutez, reprenez vos francs CFA et puis donnez-nous les dollars. Balladur, sachant que le franc CFA c'est une fausse monnaie, il a interdit la convertibilité du franc CFA en dehors de la zone franc. Parce que quand nous vendons nos matières premières, qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, la Côte d'Ivoire veut vendre ses matières premières ou le Cameroun veut vendre ses matières premières. On les vend, mais on les vend en dollars. Mais c'est la France qui intercepte ces devises et nous donne en lieu et place une fausse monnaie qu'ils impriment à Chamalière. Mais ce que beaucoup d'Africains ignorent, d'ailleurs je vais faire un programme dessus, ce que les Français nous font. Mais c'est ce que les Américains voulaient leur faire à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les Français, parce que la France était en faillite, il faut le dire, la France était en banqueroute, même à manger il n'y avait pas après la Deuxième Guerre mondiale. Et les Américains avaient battu un franc français depuis les États-Unis, et c'est eux qui allaient contrôler cette monnaie. Et les Français ont refusé, De Gaulle a refusé, mais De Gaulle est venu nous imposer ça en Afrique. C'est-à-dire qu'on leur a fait le franc CFA à l'envers, ils ont refusé, et ils sont venus nous faire le truc en Afrique. Et du coup, c'est nous qui les nourrissons. Je ferai un programme là-dessus. Mais pour revenir sur le cas Gbagbo, depuis le début, Alassane Ouattara est resté un menteur. Nous avons la situation où on a éliminé Bédier. Il n'était pas qualifié. Alassane n'était pas qualifié pour le deuxième tour. Parce que c'est Bédier qui avait une avance de 600 000 voix. Mais on a inversé les résultats de Bédier en faveur d'Alassane Ouattara. Et dans le cas de Laurent Gbagbo, je le dis à l'intention de ceux qui n'avaient pas suivi ces questions à l'époque, on est allé dans des zones où 600 inscrits, il y avait 600 inscrits, on dit 1200 votants, 1500 votants Alassane Ouattara. Mais comme disent les Anglais, it doesn't add up. Il y a 600 inscrits, il y a 1200 votants et puis il y a 1500 qui ont voté pour Alassane. On a 3 jours. La commission électorale indépendante dispose de 3 jours pour prononcer les résultats. Ils n'ont pas pu le faire. Alors que nous sommes hors délai, il revient au Conseil constitutionnel ivoirien, l'organe juridique suprême, de se prononcer. Le président de la Cour constitutionnelle disparaît, on n'a pas de ses nouvelles. On appelle ses deux téléphones, c'est hors d'usage. Il réapparaît au quartier général d'Alassane Ouattara, bien ceinturé par l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis, et il donne les résultats devant France 24. Alors que la Côte d'Ivoire a une télévision, la RTI. Non, vous allez donner les résultats dans le quartier général de l'adversaire du président sortant. 54%. Or, ce chiffre est venu de la France. Pendant qu'on était en train de procéder au dépouillage en Côte d'Ivoire, une fille qui est devenue mon amie depuis, Aurore Berger, elle fait partie du mouvement de Macron En Marche. Nous avons battu campagne pour le président Macron ensemble en 2017. Aurore Berger, elle a quitté l'UMP qui est devenue républicaine depuis. Elle envoie un tweet à la 54% et Gbagbo le reste.
Mais quand nous mettons la main sur elle, on lui demande, mais madame, est-ce que vous avez déjà été en Côte d'Ivoire? Vous vous basez sur quoi pour envoyer un tweet annonçant Alassane Ouattara vainqueur? Elle ne nous dit, elle dit rien. Mais ça va se gâter. Entre-temps, il y a une élection interne à l'UMP. L'UMP, c'est l'ancêtre des Républicains, à l'époque où Sarkozy était président. Il y a une élection interne. Elle veut être la présidente des jeunes de l'UMP. Mais Nicolas Sarkozy va préférer un Camerounais qui s'appelle Stéphane Diki. C'est Stéphane Diki, dont on découvrira plus tard que c'était un sans-papier parce qu'on croyait qu'il était français. Et Sarkozy l'a imposé. Il est devenu le président des jeunes de l'UMP. Alors, Aurore Berger, fâché, va me contacter parce que moi, je l'avais menacé. Elle va me contacter pour me dire, et je vais appeler Bernard Audin, le conseiller de Mbambo, pour lui dire. Elle m'appelle pour me dire, non, je n'ai jamais été en Côte d'Ivoire. Les 54%, c'est Sarkozy qui m'a dit de tweeter. Nous allons saisir l'équipe de Mbambo pour les mettre au courant, etc. Et Aurore Berger sera menacée de mort. Mais c'est elle qui avait envoyé le fameux tweet donnant Alassane Ouattara élu à 54%, alors qu'on n'a jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire. Mais depuis les Yvelines, en région parisienne, elle envoie un tweet. Alassane Ouattara 54%, Gbagbo 40 poussières. Voilà le résultat où nous en sommes. Sarkozy va commencer à appeler le président du Niger, et même du Nigeria, Jonathan Goodluck à l'époque, pour le menacer. Il promet de l'argent. Il va appeler Jacob Zuma, qui, avec le président angolais, qui était contre la mesure militaire, pour les menacer. Je vous ramène un peu en arrière, ceux qui ont suivi ces événements. Avant le deuxième tour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, entre Gbagbo et Alassane Ouattara, il y a un débat télévisé qui est prévu. Alors, il y a le débat. Et quand Gbagbo prend la parole, Gbagbo annonce devant tout le monde, personne n'était au courant, Gbagbo annonce que il a décrété de la mise sur pied un couvre-feu. Parce qu'on lui avait dit, il y avait des hordes de Burkinabé et des Maliens qu'on avait recrutés. D'ailleurs, avant d'arriver là, Alassane Ouattara va aller voir Gbagbo. Salut à mon ami Ricardo Bonach, bienvenue. Et salut à l'ami Solange Kounounion. Alors, avant de vous parler du débat télévisé, Gbagbo, les services de renseignement angolais lui ont dit que on veut faire venir des Burkinabés et des Maliens pour voter en masse en faveur d'Alassane Ouattara. On avait traficoté des cartes d'identité ivoiriennes. Parce que je vous rappelle que ce n'est pas Gbagbo qui s'occupait de l'impression des cartes d'identité. La personne qui s'en occupait, qui est un ami à moi d'ailleurs, Malik Toé, que je connus à Londres en tant que courtier à l'époque, dans les années 95, c'est lui qui était chargé de cette histoire où 40 milliards de francs CFA sont partis en fumée. On n'a jamais vu ces cartes d'identité. Mais en fait, on avait fait des cartes d'identité ivoiriennes à des Burkinabés. Des Burkinabés vivant au Burkina. Mais qui avaient des cartes d'identité ivoiriennes fabriquées par la SAGEM. Mais c'est là où on attendait le piège. Et on a demandé à Gbagbo de renvoyer le deuxième tour de l'élection présidentielle dans 15 jours. Gbagbo dit, mais ce ne sont pas des tests. Donc, on voulait faire venir par camion entier des Burkinabés, la plupart du temps sortis de prison, pour venir voter en Côte d'Ivoire en faveur d'Alassane Ouattara et des Maliens. Donc, Gbagbo a été renseigné de cette situation. Et on lui avait dit qu'il y avait des hordes de bandes armées qui venaient du nord du pays pour venir tenter quelque chose. Donc, Gbagbo a ordonné, décidé, décrété un couvre-feu. Et il a annoncé pendant le débat télévisé du deuxième tour. Alassane Ouattara, il s'en est offusqué. Mais non, ce n'est pas à l'armée de s'occuper des questions de sécurité. La police, la gendarmerie pouvaient faire ça. Voilà ce que Gbagbo annonce. Donc on a le débat. On a le débat du deuxième tour. Les gens vont voter. Mais entre-temps, le lendemain du débat télévisé, Blaise Compaoré va venir du Burkina Faso parce que c'était lui le parrain de ce qu'on appelait les APO. Les APO, c'est les accords politiques de Ouagadougou.
C'est à la suite de ces accords qu'on a nommé Soro Guillaume Premier ministre contre la vie d'Alassane Ouattara. D'ailleurs, Alassane Ouattara va essayer de le faire tuer par Ibé. Rappelez-vous, lorsque Soro Guillaume s'en va à Boaké, on a tiré sur son avion alors qu'il a été nommé Premier ministre. Alassane Ouattara pensait que Soro Guillaume voulait le mettre hors de jeu parce qu'on lui a dit de refuser cette nomination. C'est que Babou en avait marre d'aller à Pretoria, d'aller à Accra, d'aller à Lomé et à Makoussi. Il a dit, écoutez, nous sommes des Ivoiriens, on va régler ça entre nous. Et il a pris Soro Guillaume, il a nommé Premier ministre et voilà. Mais Alassane Ouattara n'a pas vu ça parce qu'il se disait que le petit peut s'installer, il peut ramasser la mise à son compte. Donc, le lendemain du débat télévisé opposant Alassane Ouattara à Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara va convaincre Blaise Compaoré de venir à Abidjan demander à Laurent Gbagbo de changer d'avis, de mettre fin à l'instauration du couvre-feu. Gbagbo va dire non. Mais quand il vient, Gbagbo pense que en lui donnant de l'argent, il va calmer ses ardeurs. Gbagbo va le dire dans le livre. Gbagbo va dire, j'ai voulu payer la dîme. Gbagbo va demander qu'on lui donne de l'argent. Il va partir de Côte d'Ivoire avec l'équivalent de 2-3 millions d'euros. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le ministre de la Défense, Dida Kouassi, a pris le soin de relever les numéros qui figurent sur les billets. Mais cet argent ne rentrera jamais au Burkina. Cet argent va rester à Abidjan, au 43e Bima. Le 43e Bima, c'est le détachement militaire français, le camp militaire français qui est à Port-Boué, à côté. Donc cet argent va se retrouver entre les mains de Sarkozy en France. Et c'est avec cet argent que Sarkozy va corrompre Jacob Zuma pour que Jacob Zuma renonce à mettre son veto parce que Jacob Zuma voulait envoyer une flotte en Côte d'Ivoire pour empêcher une action militaire. Et il a dit à Jacob Zuma, voilà, la France va intervenir, vous aurez un siège au Conseil de sécurité, etc. Bon, voilà un peu d'argent parce qu'on sait que c'est un homme, il a 5 femmes et il a des problèmes de trésorerie. Il est très très sensible à l'argent, etc. On va lui donner cet argent. Voilà. Mais cet argent, c'est l'argent que Gbagbo a donné à Blaise Compaoré. Mais que Blaise Compaoré a remis aux Français. Voilà. Donc, je vous dis ça, jeune Africain qui m'écoutait, pour comprendre le piège qu'on a tendu à Laurent Gbagbo depuis le début. Laurent Gbagbo, l'homme qui ne devait pas être président. Aujourd'hui, Blaise Compaoré, il est assis à Abidjan avec son gros visage. Mais Gbagbo a l'habitude de dire, le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Et François Rabelais, mon auteur préféré en philosophie, que j'aime citer, a l'habitude de dire, ce que à autrui tu as fait, sois certain que tôt ou tard, autrui te le fera. Blaise Compaoré, il est assis à Abidjan, comme un vieux hibou. Mais Laurent Gbagbo, vous l'avez amené à La Haye. Dès sa première comparution, il y a une juge là d'un pays de l'Est. Elle a dit, mais pourquoi vous l'amenez ici? Gbagbo a attendu tout le monde parce que les gens, ce que la France fait, la France a mis une espèce de cap sur ce qui se passe dans ce pays. Mais Laurent Gbagbo aussi est pour beaucoup dans sa chute. Je dois vous rappeler que pour ceux qui ne connaissent pas Gbagbo, Gbagbo c'est un ancien séminariste. Il a fait ses études chez les bons pères. Et le nom qu'il porte, le prénom qu'il porte Laurent, parce que le père de Laurent Gbagbo était militaire. Il a fait la guerre. Il a fait la guerre avec la France. Je crois que c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et son patron, un Français, enfin son chef militaire, s'appelait Laurent. Il est mort entre les mains de Koudou Paul, le papa de Laurent Gbagbo, qui lui a dit, écoute, si tu as un enfant, donne-lui mon nom. Donc c'est comme ça que le père de Gbagbo lui donne le prénom de Laurent. Laurent qui était son chef militaire. Donc Gbagbo n'est pas un anti-français. La première femme de Laurent Gbagbo, sa femme en première noce, était française. La maman de Michel. Michel que vous voyez. Les Michel qu'on a failli égorger à l'hôtel Ivoire. Et toi, Gbagbo, il a des amis français. Charles Lamberti, qui était le monsieur Afrique du Parti Socialiste. Il a plein d'amis comme ça. Et lorsque Laurent Gbagbo a sa bourse pour aller en France, il va y étudier le latin grec. Mais une fois qu'il est en France, parce que ce qu'Offoy Boigny avait fait, il ne voulait pas que les Africains connaissent l'histoire de leur pays, parce que lui, il avait collaboré, il avait vendu son pays. Et donc, quand Gbagbo arrive en France, il a une bourse pour étudier le latin grec. Mais
il fait partie de ce qu'on appelle la Fédération des étudiants d'Afrique noire de France. Et il commence à côtoyer des gens comme l'actuel président du Niger, l'actuel président du Mali, l'actuel président de Guinée et un ancien opposant tchadien. Ils font d'ailleurs, le président Condé était le président de la Fédération des étudiants d'Afrique noire de France. Donc Gbagbo, il va côtoyer tous ces gens-là. Et puis on va commencer à parler, il va côtoyer des Camerounais. Chacun va commencer, il va commencer à entendre des noms comme les Oumyobé, comment ils sont morts, les Roland Félix Moumier, etc. Gbagbo dit, mais non, attends. Mais on nous a raconté une autre histoire. Il s'en va voir le président de la commission des bourses. Il leur dit, est-ce que je peux changer ma bourse? Au lieu de faire le latin grec, je vais faire histoire. Donc Gbagbo s'inscrit en histoire. Et il apprend des choses. Et il y a des révoltes. D'abord, il apprend des choses sur son pays, la Côte d'Ivoire. Il va entendre parler d'un certain monsieur qui s'appelle Kagbe Niagbe. Kagbe Niagbe, c'est un guébier qui a fait ses études en France, qui est rentré en Côte d'Ivoire, qui s'est rebellé contre Fort Boigny, la présence française, la façon dont on exploitait son peuple. Les guébiers, je vais vous expliquer, ils sont à cheval entre les Bété et les Dida. Voilà. Et donc Kagbe Niagbe, il va créer un concept, ce qu'on appelle la République des Burni. Parce qu'il dit que la Côte d'Ivoire, ça fait trop colonial. Ça fait comme la Gold Coast, qui était l'ancien nom du Ghana. Et que ça fait aussi comme la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on est là pour vous donner de l'ivoire. Donc il recuse ce nom. Il dit non, le nom que je vais donner, c'est les Burni. C'est pour ça, si vous allez sur Facebook, vous allez... voir, il y a des Ivoiriens qui se font appeler Burni, etc. Mais c'est en liaison à cette époque, à l'époque de Kagbe Niagbe. Voilà, donc Gbagbo va apprendre des choses, il va regarder son pays d'un autre, et il va rentrer en Côte d'Ivoire. Et il est professeur. Nous sommes dans les années 70. Mais il enseigne au lycée d'Abidjan, mais le proviseur de ce lycée a lui-même eu maille à partir avec Oufoué. Parce que quand Oufoué devient président, enfin quand la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance en août, je crois que c'est le 7 août 1960, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire va accéder à l'indépendance le 7 en août? C'est-à-dire que si vous comparez avec le Cameroun, c'est 8 mois plus tard. Mais vous, les gens ne se demandent même, mais pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire va seulement accéder à l'indépendance en août? Alors que le Cameroun, un pays à peu près comparable à lui, va accéder à l'indépendance en janvier. Mais parce que Oufoué Boigny était ministre en France. Et la personne qui s'occupait de l'Assemblée nationale, qui était embêté, Oufoué Boigny ne voulait pas qu'il soit président de la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui était très brillant. Mais il y avait aussi un ami qui avait été, je crois qu'il était avocat en France, et qui devait même être... c'est lui que les Français voulaient. Bon, Oufoué a fait des choses avec la famille d'Ngong Koulibaly. Vous voyez l'actuel Premier ministre, Abadou Ngong Koulibaly. Son grand-père, c'est celui qui va favoriser que Oufoué Boigny prenne le pas sur les Agnis. Parce que c'est un Agni. Je vous donnerai son nom. Si quelqu'un connaît son nom, il dira, il était avocat en France. Et il regardait Oufoué avec mépris. Parce que il faut rappeler que les Baolés, ils aiment cultiver la terre, mais ils n'ont pas de terre. Quand ils ne vont pas chez les Bété, ils vont chez les Agnis. En pays Agnis, à Bengourou et tout cela, ils sont frontaliers avec le Ghana. Et d'abord, la première femme de Fouet sera moitié Agnis, moitié sénégalaise. Et donc, où il a travaillé là-bas, mais les Agnis, quand vous regardez les peuples de Côte d'Ivoire, les Agnis sont un peuple très très fier. Parce que ce sont les grandes dynasties. Et les Agnis, ils appartiennent comme les Baolés au groupe Akan. Mais ils regardent les Baolés avec condescendance, avec mépris. Parce que naguère, les Baolés venaient travailler dans leur plantation. Et pour eux, comment désigner les Baolés? On les désignait comme des mangeurs d'igname. Voilà. Et on se moquait d'eux. Donc... c'est comme ça qu'Oufoué a conclu une alliance
avec le grand-père de l'actuel premier ministre, Ahmadou Ngong Koulibaly. Et il va prendre beaucoup, parce qu'il faut distinguer entre les Djoula et les Sénoufo. Soro Guion, par exemple, n'est pas un Djoula, c'est un Sénoufo. Quand vous prenez des gens comme Ahmadou Ngong Koulibaly, vous prenez des gens comme mon ancien tuteur, l'enseigné Koulibaly, Ofwe Boigny a gouverné la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il a puni pas mal aussi lors des complots, parce qu'il va avoir la période de complot en 1963. Il va aussi également avoir la période de ce qu'on appelait la République du Sangoui. Parce que le Sangoui, c'est une région qui était un État à part. C'était une monarchie, une dynastie. Et lorsque la France arrive en Côte d'Ivoire, ils vont faire, comment on appelle ça, un contrat avec la France en 1804. Donc le Sangoui dit, bon voilà, nous faisons une alliance avec la France, mais quand la Côte d'Ivoire va accéder à l'indépendance, nous ne faisons pas partie de la Côte d'Ivoire. Donc quand la Côte d'Ivoire va accéder à l'indépendance, les gens du Sangoui vont dire aux Français, mais attendez, nous ne sommes pas de la Côte d'Ivoire, pourquoi vous nous mêlez à cette histoire? Ils vont même aller à Paris pour rencontrer De Gaulle, mais Ofwe va demander qu'on ne les rencontre pas. Voilà, mais ça c'est un autre sujet, mais je fais juste un petit clin d'œil pour que vous compreniez que sans l'apport du grand-père Ngong Koulibaly, c'est-à-dire le grand-père de l'actuel premier ministre Ngong Koulibaly, Ofwe Boigny n'aurait pas été ce qu'il est devenu. Donc je vous disais que quand la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance, le 7 août 1960, il y a 8 mois. Mais il y a 8 mois, pourquoi est-ce qu'ils sont attendus si longtemps? Parce que Ofwe Boigny était ministre en France. Ofwe Boigny, pour que ceux qui ne savent pas, était co-rédacteur. Co-rédacteur de l'actuelle constitution française. C'est-à-dire que la constitution qui a donné naissance à la 5e République en France. Lorsque, à la fin de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, autant pour moi, le général de Gaulle est ce qu'on appelle président du Conseil. Alors, le président du Conseil, c'est l'équivalent du Premier ministre. En Italie, par exemple, c'est le titre qu'il porte. Mais en France, quand on disait président du Conseil, c'était le Premier ministre qui habitait Matignon, comme l'actuel Premier ministre d'ailleurs. Mais sauf que lui, il avait des pouvoirs élargis, parce que le président de la République en France était élu par ce qu'on appelle un collège des grands professeurs, un collège des grands électeurs, c'est-à-dire les élus locaux, les sénateurs, les maires, les députés, etc. Bon, c'est la même chose en Italie, mais il n'a pas de grands pouvoirs. Il s'occupe de ce qu'on appelle, prosaïquement, inaugurer les chrysanthèmes, comme la reine d'Angleterre. Elle est officiellement chef d'État, mais elle n'a pas de pouvoir exécutif. Elle ne peut pas nommer un premier ministre, elle ne peut pas prendre une décision, etc. Le président français était comme ça à l'époque. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, De Gaulle est le président du Conseil, mais un premier ministre au pouvoir élargi. Il va démissionner, je crois, le 20 janvier 1946 parce qu'il dénonce ce qu'il appelle le règne des partis. Ofwe Boigny va rester ministre après qu'il se soit réconcilié avec la France, rappelez-vous. Mais De Gaulle part en croyant qu'on va le rappeler. Il démissionne le 20 janvier 1946, mais il va rester à Colombey, les deux églises dans la main, pendant 10 ans. Et il va revenir à la faveur de la crise algérienne. Mais il va donc confier à Michel Debray. Michel Debray, c'est le père de Jean-Louis et de Michel Debray. Ils sont jumeaux. L'un a été mis en coopération, il est médecin. L'autre a été, il est magistrat. Il a été ministre de l'Intérieur sous Chirac, président de l'Assemblée nationale et président du Conseil constitutionnel. Voilà. Donc le père à eux, c'est Michel Debray, juriste. C'est à lui que De Gaulle va confier la rédaction de la Constitution de la 5e République. De Gaulle garde de très très mauvais souvenirs parce que c'est ce qui s'est passé pendant la guerre. C'est-à-dire que l'Allemagne est venue, il n'y avait pas de pouvoir fort en France. Et c'est pour ça que l'Allemagne a défait la France, a humilié la France, l'a occupée. Et les Français devaient payer des frais d'occupation, comme ça se fait dans les colonies, l'occupation, pardon. Et De Gaulle est traumatisé par ce souvenir. Donc De Gaulle dit, il s'était juré que si moi, De Gaulle, je revenais au pouvoir, j'allais doter la France d'un président au pouvoir très très fort. Et vous voyez que, quand vous regardez dans les démocraties civilisées, le président français détient entre ses seules mains beaucoup trop de pouvoir. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale, il nomme le Premier ministre quand il veut, il peut déclarer la guerre et informer. Donc le président français a beaucoup de pouvoir. Donc De Gaulle est traumatisé par ce qui s'est passé
lors de la capitulation. Mais en même temps, il veut donner... parce que la France n'a pas d'armes nucléaires. La France a des problèmes énergétiques, etc. Donc, il demande à Michel Debré de lui faire une constitution où le président ait vraiment de la prééminence contre ce qu'il appelle le pouvoir de... le gouvernement des partis. Mais en écrasant l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale va devenir une simple chambre d'enregistrement. Si vous suivez les questions politiques en France, vous voyez que l'Assemblée nationale en France n'a pas de réel pouvoir. La seule fois en temps moderne où l'Assemblée nationale a renversé un gouvernement, c'était au temps de Georges Pompidou. Georges Pompidou, premier ministre, j'entends. Voilà. Mais De Gaulle avait tiré les enseignements et on a sorti une artillerie qui, comment on appelle ça, le 49-3, système de vote groupé. On peut appeler ça prosaïquement une espèce de droit de veto. C'est-à-dire que quand le Premier ministre sait qu'il n'aura pas de majorité à l'Assemblée, il met le 49-3, droit de veto. Donc, Oufoué-Boigny fait partie des 12 co-rédacteurs de la Constitution de la 5e République. Voilà. Pendant que les gens se battent en Afrique pour les indépendances. C'est aussi Oufoué-Boigny qui va souffler à De Gaulle qu'on pouvait faire les essais nucléaires au Sahara. Ce qui va lui valoir des inimitiés avec le Nigeria. Parce que je vous rappelle que lorsque le Nigeria devient à son tour indépendant en octobre 1960, le premier acte diplomatique du Nigeria, c'est de rompre la relation diplomatique avec la France en protestation de ce qui s'est passé au Sahara. Parce que quand la France fait les essais nucléaires au Sahara, il y aura des répercussions au Niger et au Nigeria voisin. Il y a des femmes qui vont donner naissance à des enfants sans bras. On va accoucher des enfants souvent sans tête. Ce sont les répercussions des essais nucléaires que la France a expérimenté dans le Sahara. Et ça va coûter très cher au Nigeria. Parce que à cause de cet acte diplomatique que la France va subir très mal, la France va favoriser la tentative de sécession au Nigeria. C'est-à-dire que ce que vous avez entendu parler de la guerre du Biafra, ça va être orchestré depuis l'Élysée avec Jacques Foccart, Félix Oufoué-Boigny, Omar Bongo, le roi Hassan II du Maroc. On va décider de balkaniser le Nigeria et de faire donner l'indépendance afin que le Biafra devienne un état souverain. Or, tout le pétrole nigérien est au Biafra, c'est-à-dire en pays Igbo. Et c'est à cette occasion d'ailleurs qu'on va faire adopter Ali Bongo, qui s'appelle Allen, avec sa sœur nigérienne, on va les faire adopter par Omar Bongo, parce que la femme d'Omar Bongo est stérile. Et Jean Foucault a peur que si ce type venait à mourir, quelqu'un doit prendre le pouvoir. Donc il faut qu'on lui trouve, on va charger Bernard Kouchner de ça, qui va trouver, parce qu'il avait créé Médecins Sans Frontières, qui va trouver une famille, des enfants comme ça, qu'on va faire adopter, reconnaître, etc. Voilà. Donc nous égarons un peu, mais si ça vous intéresse, ça sera l'objet d'un autre direct distinct. Alors, nous revenons donc en Côte d'Ivoire. Donc, Alassane Ouattara, quand il arrive en Côte d'Ivoire, il arrive, c'est-à-dire c'est un marchand de dupes, ce que les Ivoiriens appellent blaguer tuer. Il fait croire à Oufoué-Boigny qu'il va le ramener dans le monde occidental, il sera à nouveau respecté, parce que lui, il est un technicien de la finance, etc. Mais Oufoué va vite déchanter, parce que d'abord, il va lui voler sa femme. Et quand Oufoué a quitté la Côte d'Ivoire, son dernier voyage où il allait se faire soigner, s'il était revenu en Côte d'Ivoire, il aurait enlevé Alassane Ouattara, premier ministre, et il aurait vraisemblablement nommé à sa place d'un Kanka Blanc, qui avait très 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 bonne réputation à l'époque. C'est-à-dire que lui aussi c'était un ancien banquier, mais c'était un homme de sérieux. Mais Oufoué avait compris qu'il avait, en nommant Alassane Ouattara, jeté une espèce de pavé dans son propre lac. Alors, nous allons, mes amis, prendre une petite pause musicale. Nous revenons pour faire un petit point avant de nous dire au revoir. Voilà. À tout de suite, mes amis.
225. Voici la magie. Avant de conclure, on va parler un peu de Soro Guillaume. Soro Guillaume est aujourd'hui en France. Il est visé par plusieurs plaintes. Demain matin, je vais vous retrouver. Enfin, je vous retrouve demain dans l'après-midi parce qu'il se fait tard. Je sais que certains d'entre vous, malgré le confinement, ont des obligations assez tôt le matin. Mais lorsqu'ils arrivent, je crois que c'est la nuit, c'est le matin du 11 avril 2011. Laurent Gbagbo est au sous-sol de la présidence. Avec lui, ont trouvé refuge plusieurs familles. Là-dedans, il y a la maman d'Aborama Sangaré, qui a 90 ans. Il y a des bébés de nourrissons, 2 semaines, 2 mois, moins de 4 ans. Tout ce monde ne s'est pas lavé depuis pratiquement 2 semaines. Ils sont là, ils n'ont pas mangé pour certains. Gbagbo ne mange pas. Il prie. Il a demandé qu'on donne à manger prioritairement aux enfants. La France de Sarkozy a voté l'embargo sur la Côte d'Ivoire, y compris les médicaments. Les soldats français sont... Vous savez, si vous connaissez Abidjan, une fois que vous partez de Port-Boué pour le plateau, c'est une seule voie. Si on vous bloque la voie, vous ne passez pas. Mais on a donné des instructions que la présidence ne soit pas alimentée, y compris en lait. Alors que là-dedans, il y a des enfants. Vous avez vu les images. Il y a des enfants, certains ont moins de 3 mois. Voilà. Et il y a donc un tunnel entre la chambre du président et l'ambassade de France. Ce tunnel avait été creusé par Félix Houphouët-Boigny, qui redoutait un coup d'État. Et c'est pour cela qu'il avait volontairement... affaiblir l'armée ivoirienne parce qu'il redoutait un coup d'État. Et il se disait que s'il y a un coup d'État, il peut gagner l'ambassade de France par ce tunnel. Lorsque Laurent Gbagbo est devenu président, il a demandé qu'on bouche le tunnel. Alors, au matin du 11 avril 2011, c'est-à-dire le jour de la capture du président Laurent Gbagbo et des siens, ils vont recevoir un coup de fil à la résidence du président. On va leur dire, écoutez,
il y a une centaine de chars qui font route vers Port-Boué, c'est-à-dire le 43e Bima, la base militaire française, vers vous. Donc les Français vont donner l'assaut. Il y a d'abord eu des hélicoptères français qui vont larguer des bombes. Il y a du feu, il y a beaucoup de fumée, les enfants crient, c'est la panique. Ils sont au sous-sol, on a coupé l'électricité, il fait une chaleur d'enfer. Il y a un char français qui va défoncer le portail de la résidence du président de la République. On va ouvrir la voie aux rebelles. Mais tout cela est filmé par les éléments de l'armée française. Ils vont descendre au sous-sol. On cherche Babo, on cherche Babo. Babo va leur dire, Babo c'est moi Babo. Babo s'élève, sa chemise était déchirée, on le prend par le bras et il demande qu'on lui redonne une autre chemise. C'est Watao, père son âme, qui va lui donner la chemise. Pendant que quelqu'un est en train de s'amuser à pointer l'arme vers Laurent Babo, quelqu'un va lui donner un coup de poing et Watao va dire, ne le touchez pas, ne le touchez pas. Mais dans l'espace, il y a Désiré Tagro, père son âme, qui était ministre de l'Intérieur. Et là, l'ambassadeur de France au téléphone. L'ambassadeur de France lui dit, tu sors avec un mouchoir blanc, rien ne va t'arriver. En signe de reddition. C'est ce qu'il va faire. Mais quand les rebelles vont entrer, un rebelle va tirer dans sa bouche à porte. Je vous dis ça avec beaucoup d'émotion parce que c'est quelqu'un que je connais. Il va lui tirer sur la bouche. On va dire qu'on l'amène à l'hôpital, mais ils vont l'amener à l'hôtel, ils voient où on va l'achever. En décembre dernier, j'ai logé dans le même hôtel au Ghana que le président Affine Gessan. Et j'avais de la peine à retenir mes larmes face au récit qu'il me faisait. Lui m'a dit qu'il était en contact avec l'ambassadeur de France sous sa propre initiative. Le 27 mars, ils sont convoqués à la présidence par Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est avec les militaires, avec les généraux, tout ça. Gbagbo dit, mais voilà, ils m'ont fait un point et je veux qu'ils vous fassent le même point. Il y a là Affine Gessan, il y a Abdourahmane Sangaré, il y a Lida Kwasi et beaucoup d'autres personnes. Simon Gbagbo est là. Et les généraux, il va demander aux généraux, est-ce que vous pouvez me redire ce que vous avez dit? Dites à ces messieurs. Les généraux vont prendre la parole. C'est Mangou Philippe qui va lui dire, général, je salue mon ami Yannick Tello, un ancien londonien des années 90 qui est aux États-Unis. Bienvenue à toi, frangin. Il va dire, le général Mangou va dire, président, nous n'avons plus les moyens de vous défendre. Tous nos hommes sont morts. Nos équipements ont été détruits par l'armée française. Nous n'avons plus les moyens de vous défendre. Babo va leur dire, je vous donne l'ordre de mettre vos familles à l'abri et de mettre vos vies à l'abri. Il va demander aux militaires de quitter la salle. Il va donner la parole à Affine Gessan. Affine Gessan va lui dire, président, il faut que nous essayons de discuter avec ces gens-là. Si jamais ils vont nous entendre et peut-être qu'ils vont nous mettre en prison. Babo dit, s'ils ne nous tuent pas. C'est ce que dit Babo. Nous sommes le 27 mars. On va tenter des interventions, notamment le président de la Guinée équatoriale que je salue ici. Il va tenter des interventions. Sarkozy va le menacer. Sarkozy l'avait déjà menacé lorsque on avait assiégé Kadhafi. Le président de la Guinée équatoriale avait dit, écoute, nous allons prendre un avion pour aller le voir et discuter pour qu'il aille en exil de lui-même. Sarkozy va appeler le président de la Guinée équatoriale, c'est Kofi Yamian, originaire de Guinée, qui a été ministre François Mitterrand, il est originaire de Togo, pardon, qui raconte cela. Sarkozy va appeler le président équato-guinéen pour lui dire, si vous prenez la route pour la Libye, j'abats votre avion. Et c'est le même Sarkozy qui va menacer le même président équato-guinéen qui tente une dernière médiation. Lorsqu'on arrête Babo le 11 avril, on l'amène à l'hôtel Ivoire.
quelques temps plus tard, Ahmed Bakayoko vient le voir avec Sorogion. Il ne lui dit rien. Le lendemain matin, Sorogion vient voir Gbagbo. Il dit à Gbagbo, tu vas aller à Korogo. Gbagbo lui demande, mais qu'est-ce que je vais faire à Korogo? Sorogion me dit, non, j'ai une maison là-bas. Tu seras chez une, dans une maison qui m'appartient. Tu y seras bien. Gbagbo dit, mais j'ai une maison à Kokodi. Ou bien dans mon village. Ou même, il y a aussi San Pedro. Sorogion me dit, pas question. Si tu ne veux pas y aller, les gars vont le faire avec brutalité. Voilà les mots de Sorogion. Sorogion qui demande pardon à Laurent Gbagbo aujourd'hui. C'est comme ça que Sorogion, qui a été mangé chez Gbagbo, je vous rappelle, lui parle de façon insolente. Il dit, oui, si tu ne veux pas le faire, ils vont le faire avec brutalité. Et dès que Sorogion sort de cet entretien, il dit à la BBC, j'ai encore les bandes, j'ai les images, on lui tend le micro et il va dire, Gbagbo is finished. Nous aussi, aujourd'hui, on peut dire Soro is finished. Voilà, comme quoi l'histoire a souvent des bégaiements. Et je vous rappelle Rabelais. Ce que à autrui tu auras fait, autrui te le fera. Alors, mes chers amis, je vous donne rendez-vous pour demain. Je suis conscient que nous avons commencé ce programme assez tard. Je vous remercie pour votre fidélité et pour votre patience et attention. Mais je vous donne parole d'honneur, parole de Laurent Gbagbo. Je vous donne rendez-vous demain. Et nous commençons vers 18h. Et nous avons 4h. Merci. Je vous laisse avec un peu de musique et à demain. C'est une promesse. J'ai oublié de vous dire, les amis, vous pouvez vous abonner sur ma page YouTube. Hein. On est en train de mettre un dispositif en place où vous pourrez appeler et poser des questions. On mettra, c'est l'ami que vous avez vu là, mon Cambrocas, qui est en train de travailler sur le dispositif. Il sera prêt d'ici 2 semaines. Vous aurez la possibilité d'appeler en direct du programme et de poser des questions.
Thank you.